Combien de personnes connectées? Deux. Recording. Bonjour Océane, bonjour Commando Novia. Bonjour. On va attendre 5 à 10 minutes comme ça, le temps que plusieurs se connectent. Bonjour. Bonjour, bonjour Kibale. Bonjour Steve. Viens de nous rejoindre. Vous êtes tous de ma classe, c'est ça, ou il y a certains qui viennent de la classe de Sabrina et Divine? Oui, moi je viens de la classe de Divine. Divine, d'accord. Ok. T'es la seule ou vous êtes plusieurs? Je pense qu'on est plusieurs. Ah, ok. Du coup, les autres sont pas encore connectés. Bon, en attendant, bon, je vais vous mettre. Déjà, Kibelo, tu peux demander à Divine de mettre bah, le devoir 1-2 dans le groupe. Oui, ça a été mis dans mon groupe. Ça a été mis. OK, Oui. bah, cool. Du coup, bah, toi, tu peux commencer. Les autres, OK. je vais mettre vos devoirs, puis comme ça. Vous allez commencer le temps. Bon, déjà, on peut commencer par prier, prier, prier. Et puis après, on va prier 2 minutes, 1, 2, 3 minutes, et puis après on va prier pour le début des devoirs aussi. Du coup, est-ce que quelqu'un veut prier rapidement? Bonjour, Daryl Yapi. Est-ce que quelqu'un veut prier rapidement? Personne ne veut prier. Kibele ne veut pas prier? Je ne t'entends plus. Je ne t'entends plus. Seigneur, merci car tu nous as permis de nous réunir ce matin, Seigneur Père. Seigneur, je te remets, Seigneur, chacun d'entre nous durant ces temps, Seigneur, de... On n'entend rien, je ne sais pas si je suis seul ou. Mince. Ok, là vous Ah, m'entendez? on t'entend maintenant. Ok. Seigneur, merci car tu nous as permis de nous réunir ensemble ce matin, Seigneur, autour de ta parole. Je prie, Père, que tu puisses fortifier, Seigneur, chacune des personnes qui se sont connectées ce matin, Père. Qu'une personne, Seigneur, qui est fatiguée, Seigneur, tu puisses la renouveler, Seigneur Jésus. Qu'une personne, Seigneur Jésus,
qu'il y a des défis, Seigneur Jésus, que tu puisses résoudre ces problèmes, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Père, que vraiment, Père, que nous soyons, Seigneur, disposés et concentrés, Seigneur, sur toi, Seigneur Père, et que ces temps, Seigneur Jésus, puissent vraiment, Seigneur, rafraîchir, Seigneur Jésus, tout notre être, Seigneur Jésus, que esprit, âme et corps, Seigneur Jésus, soient alignés, Seigneur Père, à la volonté, Seigneur Jésus. Je déclare, Seigneur Père, que nous marchons, Seigneur Jésus, dans la plénitude, Père, du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, amen, merci. Merci. Du coup, ceux de ma classe, patientez un peu, je vous envoie les devoirs tout à l'heure. Les autres de la classe des divines, vous pouvez déjà commencer. Je suis en train de copier les devoirs rapidement. C'est sans document, sans support, sans notes. Je ne sais pas si vous savez ça. Vous n'avez pas le droit d'utiliser la Bible. Vous faites sans support, quoi. Non, ça va copier. Ok. Bon. Du coup, ok, c'est bon. Normalement, vous avez les deux formulaires dans le groupe WhatsApp. Donc, vous avez, bon, on peut se dire jusqu'à 11 heures. Voilà, vous avez jusqu'à 11 heures pour terminer. Bon courage à vous. Par contre, il n'y a personne qui a activé son micro. Là. Bébec, tu es dans quel groupe? Dans mon groupe, il n'y a pas le devoir. Tu es dans quel groupe? C'est Bébec, c'est ça, non? Par contre, Félicie, tu dis, je ne vois pas. Vous êtes dans quel groupe, vous? Celui avec la ministre. Attendez, je vais mettre le devoir dans le chat comme ça. Tout le monde pourra. Ah non, je pensais que Sabrina avait le même groupe que Divine. Oui, Poati Suprême, c'est l'affaiblissement.
Là, donc, j'ai mis le devoir 1. Le premier lien, c'est le devoir 1. Et là, le deuxième lien que je suis en train de mettre, c'est le devoir 2. Voilà. Du coup, tout le monde là, donc, c'est bon. Et ceux qui ont des questions là, n'hésitez pas à activer vos micros pour parler, hein, parce que bon, le chat là, je vois pas, je vérifie pas toujours, donc c'est mieux de poser vos questions en activant le micro que d'écrire dans le chat seulement, quoi. Si tu peux activer ton micro et poser ta question. Parce que là, on joue la date limite pour rendre le devoir. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui, c'est parce que ça fait un moment que je suis inscrit dans l'affermissement, mais je ne Oui. pouvais pas venir. Du coup, D'accord. j'ai essayé de faire les liens que vous envoyez sur WhatsApp. Et j'ai essayé, mais j'arrivais, je finissais pas parce que c'était grave compliqué en fait. D'accord. Mais là, Voilà. tu as décidé de reprendre toute la formation à zéro, c'est ça? Oui. Mais tu as fait le cours de la semaine dernière? Comment? Le Mais non, ça cours. fait un moment, je venais plus du tout. Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois. D'accord. Parce que Bah, je du coup. travaillais, du coup, je ne pouvais pas Oh. venir. Là, par Ok. exemple, je travaille l'après-midi. C'est compliqué pour moi de venir le matin et tout. Ok. Bah bon. Du coup, bah, tu peux faire le cours d'aujourd'hui et puis les semaines qui viennent là, tu seras disponible pour suivre toute la formation. Parce que mon emploi du temps, ça se fait chaque semaine. Du coup, D'accord. Mais après, il y a les rattrapages. Je pense que tu peux faire les rattrapages. Bon, déjà, tu peux faire ce cours-là et puis te rattraper sur bon, le cours de la semaine dernière pour pouvoir faire les devoirs qu'ils font là. Tu peux le faire en semaine si tu as du temps. Et puis, bah pour les autres cours, tu ne pourras pas être disponible le samedi. Tu peux faire les rattrapages. Hein. Il y a les replays, YouTube, les liens YouTube qui sont mis dans chaque groupe en semaine. Et bah, tu peux regarder et puis te rattraper quoi, par rapport à ça. Voilà, ceux qui ne peuvent pas assister aux cours les samedis, c'est ce qu'ils font en général. Donc, D'accord, monsieur. voilà. Donc, tu peux le faire. Et puis. Si par exemple t'es en retard, t'as des décalages, n'hésite pas aussi à mettre. Tu es dans le groupe WhatsApp de qui? De quel prof? Je suis dans classe d'affermissement. Classe affermissement, c'est. Mais c'est quoi? C'est le. C'est. Jonathan? JN, ouais, c'est mon groupe au fait. Du coup, bah, tu peux me contacter inbox pour. Bah, si tu as D'accord. besoin de te rattraper, tout ça, tu peux me contacter inbox. D'accord, merci. Ouais, je t'en prie. Maintenant, les autres, il y a d'autres personnes qui ont posé des questions. Anaïs, bah les devoirs, c'est maintenant, c'est 1 heure. Vous finissez bah, à 11 heures, quoi. Maintenant, si tu ne peux pas faire le devoir maintenant, si tu n'as pas suivi le cours de la semaine dernière, bah, tu rattrapes ça en semaine, au fait. Et Elka dit, là, c'est le début de la formation. Non, la formation a débuté la semaine dernière, le samedi dernier, du coup, bah, là, c'est la deuxième session, quoi. Tu viens d'arriver. LK, c'est mieux que tu actives ton micro, LK. Ah, tu viens d'être strict. Ok. C'est toi, c'est. Parce qu'il y a une qui m'avait contacté là. Qu'elle avait certaines personnes de son réseau qui. Attends, je vérifie. C'est Keren. Ah, t'es dans le groupe de. Ah, Mini Sabrina. Ok. Bah du coup, bah tu quand tu es en retard, tu fais comme ce que je viens de dire à l'autre à Poitiers. Donc tu regardes les vidéos et puis après tu rattrapes tes devoirs, quoi. Voilà.
S'il vous plaît, quand vous avez des questions, activez vos micros et parlez, parce que je ne regarde pas toujours le chat et c'est mieux. Steve, tu peux poser ta question, je ne comprends pas en fait. Tu peux activer ton micro et puis poser ta question. En fait, moi, j'ai pas suivi le cours parce que je pensais que c'était comme le discipola et que là, en gros, on allait faire cours. Pas qu'on allait faire les devoirs et que les devoirs, on pouvait les rendre dans la semaine. Non, là les devoirs c'est sur place, c'est pas dans la semaine. Ah, ok, bah du coup, moi, j'ai pas suivi le cours. T'as pas suivi, bah tu peux rattraper en semaine quoi. Ok, d'accord. En fait les devoirs c'est pas le discipola, je comprends le discipola, on vous donne les devoirs et on vous donne bah pratiquement une semaine pour les faire, c'est ça non? C'est ça. Ok. Ici bah c'est pas comme ça. Ici normalement les devoirs tu les fais, c'est-à-dire quand tu l'envoies tu as un temps. Tu le fais dans un temps imparti, quoi. Donc, en général, c'est 1h30 minutes pour chaque devoir. Du coup, bah, c'est pour ça qu'on les fait en général les samedis matins. Maintenant, ceux qui rattrapent en semaine aussi, bah, vous regardez le replay. Quand vous êtes prêt, vous me faites signe et puis je vous envoie les formulaires. Vous le faites directement, quoi, en 1 heure. Ok, d'accord. Bah, je vais faire ça alors. Et il faudra que je vous envoie un message. Ouais, si tu regardes déjà le replay que j'ai mis dans le. Genre, toi, tu es dans quel groupe? Attendez. Quelqu'un peut remettre les liens du devoir là pour Elsa ou bien, et les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Quelqu'un peut remettre les liens là, s'il vous plaît, dans le chat. Bonjour. Bonjour. Bonjour, j'ai fait le devoir des Cibolat l'année dernière avec responsable avec Jean-Luc. Jean-Luc, tu as validé le discipula, c'est ça? Oui, j'ai fait l'année dernière avec Cibolat samedi en juillet-août. D'accord. Du coup, tu l'as validé? Oui, quand tu m'as envoyé un. J'avais vu un message, le devoir à 9h59. Tu as vu le message quand? Aujourd'hui, là, j'avais vu, parce Ici, que c'est j'ai pas suivi. l'affermissement. C'est pas le disciple là. Ici, c'est l'affermissement. Ah, Ouais. d'accord, je croyais que c'était ça. Je croyais que c'était ça. Non, ici, c'est l'affermissement. C'est pas le disciple là. D'accord, je croyais que c'était la même chose. Non, c'est pas pareil. Mais comment tu as eu le lien pour te connecter? Parce que j'avais vu sur WhatsApp. Dans un groupe? Oui. T'es dans quel groupe affermissement WhatsApp? Parce que normalement, c'est ceux qui ont accès au lien, c'est ceux seulement qui sont dans les groupes WhatsApp, les groupes d'affermissement, quoi. Bah, si tu n'as pas encore validé le discipula, bah, essaye de voir avec ton responsable là, et puis tu vas sur le lien du discipula, quoi. Ici, c'est l'affermissement, ce n'est pas le discipula. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Je croyais que c'était l'autre. Je croyais que c'était OK. celle-là. Parce que je n'avais pas fait le baptême. Peut-être que je vais le faire en novembre. OK, ça marche. N'y a pas de souci. À bientôt. J'ai une Salut. question. Si je Oui. comprends, bien, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de cours, c'est le devoir. Si, il y a cours. Il y a cours après le devoir. C'est à quelle heure? Bah, le cours, c'est à partir de 11h après. Ah, d'accord. Bah, je reviens à 11 h. Ouais, bah oui, à 11h, bah, on commence les cours, quoi. OK, merci. Après, bon, tu peux profiter de ce temps-là pour regarder, te rattraper un peu sur les cours que tu n'as pas vus, quoi. Moi, je suis dans le groupe de Let Go and Let Go. Let go and let go. Dans mon C'est groupe, on affermissement ou discipula? affermissement. Bon, ça, je Dans mon sais. groupe, on... je sais pas comment elle s'appelle la personne, mais C'est c'est pas écrit. divin. Je sais pas du tout. Et y a le lien des devoirs, non? Ou Oui, il y a le lien. Non, il y a pas le lien des devoirs. c'est bizarre. Il n'y Bah, a du que le coup. lien du Zoom, mais il n'y a pas le lien du devoir. Ah. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Du coup, bah, tu étais là la semaine dernière, non? Non, parce que j'ai été rajouté après le cours. Ok, bah tu fais comme j'ai dit à l'autre à Poitiers. En semaine, tu essayes de voir le replay des cours.
Ok. Voilà. Il y a le replay, non? Le replay a été mis quand même? Oui, le replay il a été mis. Ok, bah ouais, tu regardes le replay et puis après, tu... Quand tu es prêt, tu informes ton prof, quoi, et puis tu feras les devoirs en semaine. Ok, d'accord. Bah, du coup, je reviens 11h aussi. Ouais, soit tu peux revenir, soit tu peux rester connecté, hein, comme tu veux. Mais bon, Ok. les cours débutent à 11h. Ok, ben non, je reviens à 11h. Ok, ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Du coup, moi, j'ai une question. Oui. En fait, moi, la semaine dernière, j'étais là. Mais pendant la réunion, bah, du coup, bah, j'ai dû partir et pour faire quelque chose. Et du coup, je suis revenu à la fin. Mais j'ai raté quelques enseignements. Et du coup, j'ai suivi un peu le début, mais j'ai pas tout vu. Et du coup, j'attendais le replay, sauf que le replay, il a été envoyé hier soir, si je ne me trompe pas, vers 19h. Et du coup. T'es dans quel groupe? Celui de Sabrina ou Divine? Oui, je crois, Sabrina, c'est. Non, il y a écrit Ginaton, je crois. JN, mais moi JN. j'ai pas envoyé le replay hier. Hein. C'est jeudi, j'ai envoyé le replay. Jeudi dans la journée. Je l'ai vu hier. Ah, peut-être c'est hier, tu l'as vu, mais c'est jeudi. Jeudi, je l'ai devant moi, c'est jeudi à 11h que j'ai envoyé. Donc, Après, bon, c'est pas grave. Hein, selon, bah, si tu n'as pas terminé, si tu te sens prêt quand même à faire le devoir, tu les fais. Et puis, voilà, pour les dernières questions, les questions dont les cours que tu ne maîtrises pas, bah, tu essaies de répondre et puis après, on verra, quoi. Ok. Bonne fait, si vous n'avez, dans les devoirs, vous n'avez pas de moyenne, vous devez les repasser pour pouvoir valider la formation. Donc, tu pourras refaire, quoi, te rattraper après. Merci. Je t'en prie. Du coup, j'ai une autre question. Oui, je t'écoute. En fait, dans le devoir, il y a un moment où on doit faire un QCM vrai ou faux co ou corriger les affirmations qui sont fausses. Mais Oui. quand c'est faux, on écrit où? Parce que j'ai pas Normalement, vu. il y a un espace. Quand je regarde, hein, c'est le devoir 1, c'est ça? Oui. Parce Bah. que Si tu cliques normalement, je crois qu'il y a des espaces où on peut écrire, non? Ou bien non, parce que on moi je clique. fais sur mon téléphone, du coup. Ah, c'est sur ton téléphone. Au fait, je crois, ouais, ils ont changé le formulaire là. Sinon, si tu cliques sur faux, après, je crois en dessous de faux, il y a ajouter une option. Non, je crois que tu peux cliquer sur option ajouter là, puis c'est comme si tu ajoutais une nouvelle réponse quoi, Quand un je nouvel clique élément. sur faux. Au fait, si par exemple la question est fausse, c'est-à-dire si Oui. tu supposes que la question est fausse, Oui. bah,
tu cliques en fait en dessous de faux. Il y a vrai ou faux, en fait. Il y a deux cases à cocher, vrai ou faux. Tu cliques en dessous, je crois que tu peux créer une troisième case à cocher et puis tu mets ta réponse là, quoi. Je ne sais pas si avec ton téléphone, tu arrives à le faire. Non, il n'y a rien. En bas, il y a ajouter une option ou ajouter autre. Je ne sais pas si tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? Quand tu cliques sur le formulaire, essaye de cliquer sur le formulaire. Ouais, j'ai Attends. cliqué, mais ça clique toujours sur une case. Ah ouais, ça clique une case. Bon, c'est pas grave, hein, tu mets faux si tu. Pourquoi ils ont changé le formulaire? Ok, merci. Ah, tu mets faux, c'est pas grave. D'accord, merci. Ok, tant pis. Excusez-moi. Oui. Vous voyez dans le devoir 2, en fait, il y a un QCM et il faut justifier, mais je ne peux pas écrire.
Oui, c'est la, c'est, je crois que c'est la question que l'autre avait. Ah, d'accord. Ouais, c'est pareil, tu bon, si tu peux pas, tu peux pas justifier, tu cliques juste sur faux, quoi. Ok. Merci. Je t'en prie.
Je crois qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints. Albert. Tu viens de te connecter, Albert. Bonjour d'abord. Vous entendez quelque chose? Bonjour. Bah, les autres sont en train de faire le devoir, hein, du coup, ouais, c'est pour ça que c'est silencieux. Oui, ça va. Et toi? Quel devoir? Tu viens d'arriver dans la formation ou tu as fait la session précédente? OK.
Je crois qu'il vous reste 15 minutes environ. Donc, ceux qui n'ont pas encore fini, essayez d'aller un peu plus vite, quoi.
Il vous reste un peu moins de 10 minutes. Hein. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont terminé? Ou bien... Ceux qui ont terminé là, vous pouvez déjà mettre un message dans vos groupes pour dire que bah, les cours vont commencer tout à l'heure. Pour ceux qui s'étaient déconnectés, là, il y a certains qui s'étaient déconnectés parce qu'ils ne faisaient pas les devoirs. Vous pouvez mettre des messages comme ça, ils verront, ils se connecteront, s'il vous plaît. Du coup, là, il reste 4 minutes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde déjà ou bien il y a certains qui n'ont pas encore terminé? Si c'est bon pour tout le monde, je veux voir dans le chat. C'est bon pour moi, c'est fini. OK. J'ai bientôt fini. Ah, nice. OK. Ah, il vous reste 3 minutes. Hein. Donc, Anaïs, fait un peu vite. Les autres aussi qui n'ont pas terminé, faites vite. OK.
Il reste 2 minutes. Il reste 1 minute. OK. Il y a certains qui n'ont pas encore terminé. Est-ce qu'il y a certains qui n'ont pas encore terminé? Toi, Albert, bon, Albert, toi, tu es venu un peu en retard. Tu pourras continuer après le cours, tu pourras terminer. Donc, tous ceux qui n'ont pas terminé, qui sont arrivés en retard comme Albert, bah, vous pouvez terminer après le cours rapidement. Là, il est déjà 11h, on va commencer. OK. On va commencer. Combien de connectés? 18. OK. OK, bah, on va commencer par prier déjà. Ça va, non? C'était pas trop difficile, les devoirs, là? C'était bien, non? Ça va, c'était facile, quand même. Ouais, c'est facile. Ouais, les premiers devoirs sont généralement faciles. Ouais. C'est bien. OK, bah, on va commencer, on va prier, et puis on va commencer rapidement le cours, ne pas être en retard. Du coup, on va recommander ce moment entre le Seigneur, dans les mains du Seigneur, entre les mains du Seigneur, et puis... prier pour que chacun retienne le maximum et que cela nous édifie, nous serve au quotidien. Commencez à prier. Activez vos micros pour la prière. Ceux qui n'ont pas du bruit chez eux, vous pouvez activer vos micros. Ombaraba chekelebo sakayara sekelebo shakayara bo kantara basi iba kantoro bo shakayara basi kentoro bo sakayara 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 basi Ce peu de temps, Seigneur, que cela, oui, Seigneur, soit fructueux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, que tu ouvres l'intelligence, ouvres l'esprit, ouvres la compréhension, Seigneur, pour qu'il puisse assimiler, Seigneur, ces cours, Seigneur, mon Dieu, ces notions, Seigneur, et que cela soit gravé, inscrit dans leur cœur, inscrit dans leur intelligence, et que leur intelligence soit renouvelée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, afin que, oui, Seigneur, il soit de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, Seigneur, de saison en saison, des chrétiens, oui, Seigneur, affermis, matures, oui, Seigneur, enseignés, éduqués, Seigneur, pour pouvoir, oui, Seigneur, accomplir, oui, Seigneur, le but lequel tu les as mis sur cette terre, réaliser la destinée, Seigneur. Je te prie, oui, Seigneur, afin que ta présence, Seigneur, soit effective, oui, Seigneur, ce matin, Seigneur. Que, oui, Seigneur, tes anges, Seigneur, ton esprit, oui, Seigneur, oui, nous environne, Seigneur, mon Dieu, que ton l'onction d'enseignement, Seigneur, l'onction, oui, Seigneur, de connaissance, de révélation de la parole de Dieu, se manifeste pleinement, Seigneur, en nous ce matin, Seigneur. Seigneur, les yeux de nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, enseigne-nous, Seigneur, fais-nous découvrir ta parole, Seigneur. Écoute, Seigneur, mon Dieu, pour pouvoir te faire que ce que nous apprenons, Seigneur Jésus, nous ne puissions pas les oublier, Seigneur. Je prie que cette parole, Seigneur Jésus, puisse être plantée, Seigneur Jésus,
dans un bon cœur, Seigneur Jésus, que l'ennemi, Seigneur, volé, Seigneur Jésus. Je déclare, Seigneur Jésus, de cette parole, Seigneur Jésus, que tout cet enseignement puisse être déposé, Seigneur Jésus, dans un bon cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour moi, Seigneur, finis-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, remplis-moi de connaissances, Seigneur, ce matin, afin que ta parole puisse être enseignée avec vérité, avec lui, Seigneur, Seigneur, et avec lui, Seigneur, mon Dieu, humilité aussi. Que ton nom soit béni, glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce moment, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vais prier. Merci, Seigneur. Amen, amen. 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 Et... Ah, il y a une personne qui est partie. On était 19, on est 18. OK. Bah, du coup, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Jude Nathan. Voilà, donc, j'enseigne à l'affermissement depuis un bon moment. Et, ouais, bon, normalement, je devais vous donner le cours, le premier cours, le cours 1 et 2, mais bon, je n'ai pas pu. Je n'ai pas été disponible, du coup, c'est la ministre Sabrina qui l'a fait. Donc, aujourd'hui, nous allons passer, bah, je l'espère, hein, une heure. J'espère qu'on ne va pas déborder pour ne pas bon, empiétrer sur vos obligations dans la journée. OK. Bah, les cours d'aujourd'hui, c'est le reconditionnement de la mentalité et l'apitoiement sur soi. Donc, on va voir d'abord le cours 3 qui est le reconditionnement de la mentalité. Et le coup 4 qui est lutter contre l'apitoiement et l'estime de soi. Bon, c'est l'estime de soi et lutter contre l'apitoiement. C'est mal formulé dans le document. Désolé. Donc, on va commencer par voir le reconditionnement de la mentalité. Déjà, si vous pouvez activer vos vidéos, vos micros, bah, eh bien là, quand je vous vois, je sens que je ne suis pas seul, quoi. Voilà. Ça marche. Donc, si vous êtes prêts, on commence. Voilà, c'est bien, je vous vois tous maintenant. Voilà. Vous êtes en 3D, là. Vous n'êtes pas en 2D ou 1D. OK, bah, on va voir le reconditionnement de la mentalité. Donc, on va commencer par définir le reconditionnement de la mentalité. Donc, vous pouvez déjà noter définition du reconditionnement de la mentalité. Et je vais vous poser la question, vous laisser me définir, selon vos connaissances, le reconditionnement de la mentalité. Déjà, selon vous, c'est quoi le reconditionnement? Quand on parle de reconditionnement, on parle de quoi? Vas-y, Étienne. En gros, pour moi, c'est par exemple quand quelqu'un était dans le monde, mm-hmm. Étant de sa vie à Christ, donc, du coup, il devient un chrétien. Et du coup, certes, il est en Christ, mais il a toujours une mentalité du monde. Il a toujours une mentalité qui n'est pas vraiment adaptée. Donc, le reconditionnement, c'est de renouveler cette mentalité pour que sa mentalité, disons que la mentalité soit dans la pleine volonté de Dieu. D'accord. Oui, c'est ça. Bah, tu as bien expliqué. C'est bien. Du coup, c'est clair pour les autres, vous avez compris. En tout cas, je reviendrai dessus, hein, sur les définitions. Donc moi, là, merci. Oui, Elsa? Moi, ça me fait penser au renouvellement de l'intelligence. Voilà, c'est... Le renouvellement de l'intelligence. Exactement, c'est lié au fait, c'est intimement lié à cela. C'est lié au renouvellement de l'intelligence. Ouais. Donc là, bon... Étienne a défini le reconditionnement. Donc, la mentalité, vous savez, c'est quoi la mentalité? Donc, on peut noter que le reconditionnement de la mentalité, c'est mettre dans une nouvelle condition meilleure. Voilà, surtout ça, une nouvelle condition meilleure. Donc, le reconditionnement, c'est mettre dans une nouvelle condition meilleure, au fait. Donc, notre mentalité avait une ancienne condition. Quand je parle de condition, c'est un état. Notre mentalité avait un ancien état qui n'est pas forcément adapté à la vie en Christ, qui n'est pas forcément adapté au royaume des cieux. Voilà, comme Étienne a dit, lorsqu'on est dans le monde, on a une façon de penser. Parce que la mentalité, vous pouvez noter ça aussi, la mentalité, c'est notre système de pensée. La mentalité, c'est notre système de pensée.
c'est notre manière ou façon habituelle de penser. Donc, la mentalité, c'est notre système de pensée, notre manière ou façon habituelle de penser. Donc, quand on était dans le monde, donc dans le monde, on a une manière habituelle de penser. On pense en fonction des paradigmes de pensée du monde. Bon, quand je parle de paradigmes, c'est les paradigmes, je ne sais pas comment je vais définir, mais paradigmes, c'est voilà, des modèles. Voilà, on pense en fonction des modèles de pensée dans le monde. Et lorsqu'on vient à Christ, il faut reconditionner cette mentalité-là. Il faut réadapter cette manière de penser-là pour qu'elle soit adaptée au royaume des cieux. Voilà. Donc, le reconditionnement de la mentalité, c'est cela. Donc, c'est reconditionner ou mettre notre manière de penser, mettre nos pensées dans une meilleure condition, dans une nouvelle condition meilleure par rapport à ce qu'elle était. OK. Donc, comme verset référence, vous pouvez prendre Matthieu 3, verset 1 à 2. Matthieu 3, verset 1 à 2. Matthieu 3, verset 1 à 2. Et s'il y a quelqu'un rapidement qui l'a, qui peut lire cela rapidement. Moi, s'il y a quelqu'un qui l'a. Oui, vas-y, Étienne. Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Oui, c'est bon. Merci. Donc là, Matthieu dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste et il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous. C'est-à-dire, on dit prêcher, sa prédication était simple. C'était quoi? La repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, sa prédication, c'était la repentance. Et la repentance, étymologiquement, c'est-à-dire le mot à l'origine de repentance, puisque la Bible est écrite en grec. Donc, voilà, quand Matthieu écrivait ce verset, il a écrit en grec. Donc, quand il écrit « repentance », le mot grec à l'origine qui signifie « repentance » ou qui signifie « repentez-vous », c'est « metanoia ». Metanoia. M-E-T-A-N-O-I-A. Metanoia. Vous pouvez noter ça. C'est « metanoia ». Et « metanoia » signifie littéralement « changer radicalement sa façon de penser ». Donc, vous pouvez noter repentance égale métanoïa égale changer radicalement sa façon de penser. Donc, en gros, reconditionner sa façon de penser, donc sa mentalité. Donc là, quand Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », il est en train de dire aux gens de changer leur manière de penser, de reconditionner leur mentalité, de retourner, de faire un demi-tour, bon, pas un demi-tour, mais de faire, c'est-à-dire de carrément tourner le dos à la façon de penser, de concevoir, au fait, de concevoir le monde, la vie. Donc, c'est ce que Jean-Baptiste le disait. Et la raison principale pour laquelle il le disait, c'était pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. Ce qu'il dit, car le royaume des cieux est proche. Et là, ceux qui connaissent un peu l'histoire du Nouveau Testament, quand ils lisent ce passage-là, savent que le moment où Jean-Baptiste dit ce passage-là, Jésus n'a pas encore débuté son ministère. Il n'a même pas encore été baptisé, au fait. Parce que quand Jean-Baptiste baptise Jésus, c'est là où l'Esprit Saint descend comme une colombe sur Jésus. Et là, Jésus débute son ministère, au fait. Et là, quand Jean-Baptiste le dit, Jésus n'avait pas encore débuté son ministère. Donc, quand Jean-Baptiste dit « le royaume des cieux est proche », au fait, c'est à ça qu'il faisait référence. Il faisait référence au fait que le ministère de Jésus, au fait, allait débuter et ça allait nous faire entrer dans une nouvelle ère, au fait. Et Jésus, je crois une fois des disciples demandaient à Jésus, mais quand viendra le royaume des cieux? Et Jésus leur a dit, mais le royaume des cieux est déjà là, au fait. Est déjà là, pourquoi? Parce que lui, il est déjà là, il est déjà rentré dans son ministère. Donc, en vrai, le royaume des cieux débute quand Jésus reçoit le Saint-Esprit. Bon, il avait le Saint-Esprit en lui, mais quand, après le baptême d'eau, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe et qu'il débute son ministère, c'est le début du royaume des cieux, au fait. Et là, c'est là qu'il dit, le royaume des cieux est ouvert, seuls les violents s'en empareront.
Donc, quand Jean-Baptiste dit « Répentez-vous », c'est parce que bah, Jésus allait commencer son ministère, débuter son ministère. Et il disait aux gens de son époque de changer leur manière de penser à cause de ça seulement. Et nous, nous sommes dans une ère, bah, Jésus a déjà fait son ministère, il est mort, il est ressuscité, ceux qui acceptent Christ bah, sont sauvés. Donc, si les gens d'avant, hors du royaume des cieux, devaient changer leur mentalité, nous, à plus forte raison, on doit changer encore, en fait. Donc, nous, vu que bah, lorsque nous acceptons le Seigneur, nous rentrons dans le royaume des cieux, c'est une obligation. Voilà, c'est une obligation, c'est sans concession. Nous devons reconditionner notre mentalité. Donc, je sais que j'ai parlé beaucoup. Je ne sais pas si vous avez pu noter un peu. Voilà. Donc, vous pouvez noter que nous devons changer. Déjà, la repentance, c'est métanoïa. Métanoïa, c'est changer radicalement sa façon de penser. Et changer radicalement sa façon de penser. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le royaume des cieux. Nous sommes citoyens dans le royaume des cieux. Donc, si c'est bon, là, on parle de reconditionner de la mentalité, on parle de mentalité. Et mentalité, je vous ai dit, c'est système de pensée, donc on parle de la pensée. Et nous allons voir quelques caractéristiques de la pensée, c'est-à-dire comment est-ce que la pensée se développe, comment est-ce qu'on peut, on peut identifier la pensée. Donc, notez que nos pensées se développent déjà dès notre enfance. Donc, nos pensées se développent dès notre enfance. Donc, l'enfant, il va commencer déjà à avoir des pensées. Et les spécialistes, bon, ceux qui étudient la psychologie des enfants, ils disent que l'enfant même commence à penser déjà avant de parler, au fait, avant de développer un langage, avant d'adopter le langage des parents, le langage de son environnement. Il va d'abord développer des pensées. Et ces pensées-là, il va les développer comment ? En bah, observant son environnement. Donc, l'environnement dans lequel l'enfant va se tenir va l'aider au fait à développer ses pensées. Et ensuite, il va développer son langage et son langage sera adapté aux pensées qu'il a développées. Vous pouvez noter déjà que dès l'enfance, on commence d'abord à développer nos pensées, ensuite on développe notre langage et les pensées qu'on développe sont liées à l'environnement dans lequel nous sommes. Vous pouvez noter ça. Si je vais vite, vous me dites, hein, je vais vite pour ne pas être en retard, parce que le cours est quand même long. Oui. Excuse-moi, est-ce que je veux dire par rapport à l'environnement ? Je disais que l'enfant, il développe d'abord des pensées, et comment il va développer les pensées ? Il va développer ses pensées en observant son environnement. Donc, c'est le fait d'être imprégné dans un environnement, d'observer son environnement, observer ce qui se passe, c'est ce qui va... ça va influencer sa manière de penser, ça va influencer les pensées qu'il développe. Donc, dès l'enfance, c'est comme ça que nous développons nos pensées. Et c'est pas différent quand nous sommes adultes aussi. Donc, quand nous sommes adultes aussi, nous allons développer notre système de pensée en fonction de notre environnement. Et ça, c'est important de savoir pourquoi, parce que en tant que chrétien, nous devons savoir que c'est notre environnement, surtout quand on est de nouveau, on devient, quand tu nais de nouveau, bah, t'es né, quoi. C'est-à-dire, on peut comparer la naissance spirituelle à la naissance physique. Donc, quand tu nais de nouveau, t'es d'abord bébé spirituel, ensuite tu progresses. Mais quand t'es bébé spirituel, bah, même ta façon de penser, ta façon de concevoir le christianisme, de concevoir bah, la foi dans laquelle tu viens de naître, au fait, va dépendre de l'environnement que tu vas côtoyer, au fait. Donc ça, c'est important de noter ça aussi, que lorsqu'on est de nouveau, on va développer notre système de pensée lié à notre foi et lié aussi à tous les domaines de notre vie, à cette nouvelle vie chrétienne-là, en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter ? J'ai dit que
lorsqu'on est de nouveau aussi, on va développer nos pensées, on va développer notre conception même aussi du christianisme en fonction de l'environnement aussi dans lequel nous sommes. Que ce soit le groupe d'amis, le groupe de prière, le groupe de réseau, l'église, tout ceci va fortement influencer notre mentalité, notre façon de voir, en fait. Et ça va influencer aussi notre langage. Puisque la pensée influence directement le langage aussi. Donc, si tu es chrétien, si tu nais de nouveau, tu es dans un environnement avec d'autres chrétiens où on ne parle pas de... y a pas des attitudes de foi, on ne parle pas le langage de la foi, tu vas développer des pensées différentes aux pensées de foi et tu ne vas pas avoir un langage de la foi aussi. Et si tu es dans un groupe où il y a des attitudes de foi, il y a le langage de la foi, naturellement, tu vas développer ce langage-là. C'est clair? C'est bon? Oui, merci. OK. Donc, vous pouvez noter ça. Nos pensées sont imprégnées de l'environnement spirituel et physique dans lequel nous sommes. Bon, dans lequel, pas lequel. Un environnement, oui. Nos pensées sont imprégnées de l'environnement spirituel et physique dans lequel nous sommes. Notez ça bien, je crois, on pose ça à un des voix. Nos pensées sont imprégnées de l'environnement spirituel et physique dans lequel nous sommes. Donc, si c'est bon. Bon, si quelqu'un peut écrire ça aussi dans le chat, quand je dis noter comme ça les phrases, pour ceux qui vont vite, vous pouvez aussi noter dans le chat pour que ceux qui sont en retard puissent regarder puis copier rapidement, quoi. Donc, nos pensées sont imprégnées de l'environnement spirituel et physique dans lequel nous sommes. Merci. Merci à la personne qui a écrit, je n'ai pas vu ton nom. OK. Donc, on va voir maintenant la puissance et la portée de nos pensées. La puissance et la portée de nos pensées. La puissance et la portée de nos pensées. Donc, des scientifiques, ouais, il y aura des études scientifiques qui vont se faire et qui vont arriver à une conclusion très importante. La conclusion, c'est quoi? C'est que nos pensées... Écoutez bien, nos pensées ont le même effet sur notre cerveau que l'action qui lui est correspondante. Notez ça d'abord, après je vais vous expliquer pour ceux qui n'ont pas compris. Nos pensées ont le même effet sur notre cerveau que l'action qui lui est correspondante. Quelqu'un peut écrire ça dans le chat aussi. Nos pensées ont le même effet sur notre cerveau que l'action qui lui est correspondante. Si c'est bon pour tout le monde, je vais expliquer. En fait, là, ils sont en train de dire simplement que si tu penses quelque chose, ton cerveau est en train d'interpréter comme si tu faisais la chose, au fait. Tu vois? Et comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ces études-là. Ils ont pris deux groupes de personnes. Ils ont pris une catégorie de personnes qui pensaient jouer à un instrument. Donc, d'autres, c'était des pianos, d'autres, c'était la batterie, d'autres, c'était, chacun en fonction de l'instrument qu'il maîtrise, quoi. Donc, ces personnes-là, ils pensaient être de jouer cet instrument-là. Et il y avait d'autres types de personnes à côté qui, eux, réellement jouaient cet instrument-là. Et ce qu'ils ont fait, ils ont analysé leur cerveau, ils ont analysé les zones cérébrales qui s'activaient, au fait. Puisque quand on agit, on parle, quand on est en activité, il y a des zones cérébrales qui s'activent, au fait. Donc, ils ont analysé les zones cérébrales qui s'activaient et ils se sont rendus compte, au fait, que les mêmes zones qui s'activaient, c'est-à-dire quelqu'un qui pensait jouer du piano, c'était les mêmes zones qui s'activaient que celui qui jouait du piano, au fait. Donc, ils sont arrivés à la conclusion que notre cerveau, en fait, interprète les pensées comme l'action, en fait. C'est-à-dire, dans le cerveau, psychiquement, il n'y a pas vraiment de différence entre la pensée et l'action. C'est juste physiquement, dans le physique, quand tu penses, on ne sait pas. C'est quand tu agis, on s'en rend compte. Mais psychiquement, il n'y a pas de différence aussi. Donc, ça montre un peu la portée de nos pensées. Ça montre un peu la portée de nos pensées.
Et ça nous permet de comprendre aussi ce que Jésus disait dans Matthieu, je crois Matthieu 5, verset 28. Matthieu 5, verset 28, qui disait « Si quelqu'un regarde une femme comme pour la convoiter, il a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. » Donc Jésus savait que il suffisait juste de projeter ton imagination psychiquement, c'est comme si tu as commis l'acte au fait. Donc vous pouvez noter ça, Matthieu 5, verset 28. Vous allez lire ça après. Matthieu 5, verset 28. Donc, penser quelque chose psychiquement, c'est-à-dire au niveau de ton cerveau et au niveau de ton âme, c'est comme si tu faisais la chose. Donc, si psychiquement, c'est le cas, ça veut dire que spirituellement aussi, c'est le cas. Donc, spirituellement, quand tu penses quelque chose, c'est comme si tu as commis l'acte. Au fait, l'acte, je crois, il y a un apôtre qui dit ça dans la Bible, je crois que c'est Jacques. Donc Jacques disait que au fait, en vrai, les pensées viennent du et le péché vient du cœur. Au fait, quand tu commences à penser quelque chose, tu es déjà dans le péché. L'acte, c'est juste la consommation. En fait, tu es en train de consommer le péché. Si tu penses insulter quelqu'un, tu es en train de penser. Tu es en train de, si tu alimentes ça, c'est comme si tu es en train de pécher déjà, dans ton cœur est déjà un peu contaminé. Donc, quand tu le fais maintenant, c'est juste que tu as consommé, au fait, la pensée que tu avais. Voilà. Donc, c'est pour ça que Jésus dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que viennent les... Quelqu'un peut compléter? Quelqu'un, vous ne connaissez pas ce verset? Les sources de la vie? Les sources de la vie, merci Kibeli. Si quelqu'un connaît la référence, il peut mettre dans le chat aussi. Voilà. Donc, si c'est bon pour cette partie, il n'y a pas de questions. Okay. S'il n'y a pas de questions, on continue. Donc, comment traiter les pensées, comment traiter les pensées? Déjà, il y a ce verset-là, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous pouvez prendre aussi Marc 12, verset 30, à la Proverbe 4, verset 23, merci. Donc, vous pouvez noter aussi Marc 12, verset 30, qui dit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, la pensée, ça, c'est ce de quoi je parlais, c'est la mentalité et de toute ta force. Bon, la force, c'est physique, quoi. Notez aussi 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Le verset que je viens de citer, ça, c'était Marc 12, verset 30. Marc 12, verset 30. Et... l'autre verset, le verset que je vais citer maintenant, c'est 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5, qui dit « Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive. » Donc, c'est notre responsabilité d'amener toutes nos pensées captives à l'obéissance du Christ. Donc, ça veut dire qu'on aura des pensées qui vont s'opposer à l'obéissance de Christ. Voilà, comme je disais tout de suite, il y aura ces pensées. Et ces pensées-là, si on n'arrive pas à les dominer, à les captiver, au fait, ça va nous faire désobéir à Dieu, au fait. Donc, tout commence par les pensées. C'est pour ça, nous renversons les raisonnements et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si vous avez noté ça, c'est bien. Ah, il est déjà 30 là. 2 Corinthiens 10, verset 5. Si vous avez noté ça, c'est bien. On continue. On va voir maintenant 3 types de mentalités ou de systèmes de pensée que nous devons neutraliser en nous. 3 types de mentalités, donc de systèmes de pensée que nous devons éradiquer, neutraliser en nous. Bon, on va présenter 3, après je vais donner d'autres mentalités.
Si c'est bon. Le premier, c'est l'identification émotionnelle. Donc, notez l'identification émotionnelle. L'identification émotionnelle. L'identification émotionnelle. C'est quoi l'identification émotionnelle? C'est simplement le fait de s'identifier à une émotion qu'on ressent. Donc, comme le nom le dit, identification émotionnelle, c'est le fait de s'identifier à une émotion qu'on ressent. À un instant précis. Allez, notez ça aussi. Une émotion, s'identifier à une émotion qu'on ressent à un instant précis. Si quelqu'un peut écrire ça dans le chat pour les autres, pour ceux qui ne suivent pas. Donc, c'est le fait de s'identifier à une émotion qu'on ressent à un instant précis. Donc, ça, c'est une manière de penser qu'on doit éradiquer. Pourquoi est-ce qu'on doit éradiquer? Parce que c'est simple. Hein? Ce n'est pas parce qu'on ressent la peur, on est dans une situation, on ressent la peur, qu'on est peureux, au fait. Voilà, c'est simple. Ce n'est pas parce qu'on se sent coupable dans une situation qu'on est coupable, au fait. Voilà. En fait, ça signifie qu'on ne doit pas s'identifier, on ne doit pas donner notre identité ou définir notre identité par rapport aux émotions qu'on ressent. Ce n'est pas nos émotions qu'on ressent qui nous définissent, au fait. En tant que chrétien, c'est la parole de Dieu qui doit nous définir, mais ce n'est pas les émotions qu'on ressent. Je vais noter ça. Donc, nous ne devons pas laisser les émotions qu'on ressent nous définir. Parce que très souvent, nos émotions sont très subjectives. Ça ne reflète pas vraiment la réalité. Ce n'est pas objectif. C'est lié propre à nous-mêmes, à notre manière de voir la vie, au fait. Et on ne doit pas laisser nos émotions nous définir. C'est noté, c'est bon. Notez que nos émotions sont juste des indicateurs. Nos émotions sont des indicateurs. Nos émotions sont juste des indicateurs. Indicateurs, c'est-à-dire que ça nous donne juste notre état, en fait, notre état d'âme, notre état émotionnel par rapport à une situation donnée. Donc, si tu es dans une situation où tu as peur, ça signifie juste que c'est la situation qui te fait peur, au fait. Donc là, tu ressens de la peur, mais ça ne signifie pas que tu es peureux ou bien tu es peureuse. Ça signifie juste que la situation peut être dangereuse pour toi. Donc, c'est comme ça, au fait, on doit se détacher de nos émotions. On dit juste, ce sont des indicateurs, ça me permet de peut-être m'alarmer ou m'informer, au fait, sur les circonstances dans lesquelles je suis, mais ça ne définit pas qui je suis intrinsèquement, au fait. Donc, notez ça, nos émotions sont juste des indicateurs qui nous donnent des informations sur l'état de la situation ou des circonstances dans lesquelles nous sommes, dans lesquelles nous traversons. Notez ça, si quelqu'un peut écrire dans le chat ça aussi. Donc, elles sont juste des indicateurs, mais elles ne nous définissent pas. Voilà. Pas parce que quelqu'un croise, je sais pas, un animal sauvage ou un lion quelque part, qu'il va avoir peur que ça signifie qu'il est peureux. Non, c'est juste que il est en danger. Voilà. Ok, merci Albert. Notez aussi que une émotion négative n'est pas forcément néfaste. Voilà, il y a une différence entre négatif et néfaste. Donc, une émotion négative n'est pas forcément néfaste. Notez ça. Attends, est-ce que l'enregistrement... Ah oui, c'est enregistré, c'est bon. Une émotion négative n'est pas forcément néfaste. Donc, ce n'est pas parce que tu ressens une émotion qu'on catégorise de négatif que ça signifie que c'est mauvais, au fait, c'est néfaste. Pourquoi? Parce que y a des émotions négatives, il faut les avoir, au fait. Par rapport à certaines situations. C'est normal en tant que chrétien
Voilà, quand tu es chrétien, tu as la justice de Dieu en toi. Parce que Christ est la justice de Dieu. Donc, c'est normal en tant que chrétien de ressentir de la colère par rapport à l'injustice. Donc, tu as la colère par rapport à l'injustice. C'est une émotion négative, mais ce n'est pas néfaste. C'est normal d'avoir, en fait. Même Dieu, on dit Dieu se met en colère face à l'injustice. Et Dieu, il hait, donc il déteste. Il a un sentiment de répulsion par rapport au péché. Donc, on peut avoir des émotions négatives, mais dans des circonstances, bah, devant des mauvaises situations, c'est normal. Donc, c'est noté, c'est bon. Donc là, on a vu l'identification émotionnelle. Ah, là, c'était l'identification émotionnelle. Du coup, on ne doit pas s'identifier à nos émotions. Nos émotions sont juste des indicateurs. Et puis, une émotion négative n'est pas forcément néfaste. Maintenant, ensuite, nous allons voir la pensée manichéenne. Si quelqu'un connaît, il peut écrire ça. Ça s'écrit manichéenne. Manichéenne. Ça se lit manichéenne. Donc, si quelqu'un peut écrire la pensée manichéenne. Quelqu'un qui connaît, qui sait comment écrire ça. Normalement, c'est M-A-N-I-C-H-E accent E-2-N-E. La pensée manichéenne. Merci Anaïs. Donc, la pensée manichéenne, c'est quoi? C'est le fait de penser que le monde est divisé en bien et en mal. Voilà. Bon, le monde, bon, quand on dit le monde, principalement les hommes. Voilà. C'est le fait de penser que bah, les hommes sont divisés en bien et en mal. Une mauvaise manière de penser. La pensée manichéenne, c'est le fait de penser que les hommes sont divisés en bien, en hommes bons, c'est-à-dire d'un côté, il y a les bons, d'un côté, il y a le méchant. C'est une mauvaise manière, au fait, de penser, parce que en tant qu'être humain, bah, en tant qu'être humain, bon, il y a la nature, que tu sois chrétien ou pas, il y a quand tu n'es pas chrétien, la nature adamique qui est en toi. Quand tu es chrétien, c'est vrai que la nature de Christ qui s'installe en toi, mais il y a une partie là qui est encore humaine, quoi. On appelle ça la chair. Donc, tu as encore une partie du mal en toi, au fait. Voilà. Donc, oui, tu peux dire, ouais, je suis bien, j'ai Christ, je suis une personne bien, oui, mais tu as encore la chair. Et si tu ne sais pas dominer la chair, tu peux faire des choses pires que les gens du monde, au fait. Voilà. Donc, il n'y a pas bien d'un côté, il n'y a pas bon d'un côté. Même si on a Christ, on a quand même une partie du monde en nous, au fait, qui est la chair. Et même ceux qui ne sont pas en Christ, bah, ils ont des vertus. Ils ont des vertus morales, au fait. Parce que bah, c'est vrai, ils ont la nature adamique en eux, mais c'est Dieu qui les a créés. Et puisque bah, Dieu les a créés quand même, il y a quand même des traces de Dieu en eux. Il y a ce qu'on appelle la conscience. Je ne sais pas, vous avez vu le coup 1, là, vous avez vu les trois dimensions. Voilà, il y a la conscience qui leur permet d'avoir une certaine moralité, de poser certaines bonnes actions, souvent même mieux que les chrétiens, en fait. Voilà. Donc, vous pouvez prendre Romains 7, verset 19. Romains 7, verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà, ça, c'est l'apôtre Paul qui disait. Hein. Donc, le grand apôtre Paul. Il disait qu'il y a une partie, il arrivait une partie de sa vie, quand tu lis Romains, il disait, bah, je veux faire le bien, mais je ne fais pas le bien, je fais le mal que je ne veux pas. Donc ça, c'est quand il était contrôlé par sa chair, quoi, quand il n'avait pas encore vraiment dompté sa chair. Voilà. Et c'est important d'avoir cette mentalité-là, c'est-à-dire il n'y a pas les bons d'un côté, il n'y a pas les méchants, parce que bah, ça ne nous permet pas de condamner les autres, au fait. Alors, en tant que chrétien, nous n'avons pas un mandat de condamnation, parce que Jésus lui-même il n'est pas venu pour condamner le monde. Voilà. Jean 3, 16 dit, Jésus est venu pas pour juger le monde. Quand il jugeait, pas pour condamner le monde, mais pour que les hommes croient en lui et aient la vie éternelle. Donc, nous aussi, en tant que chrétiens, nous aussi, nous ne devons pas condamner les hommes. Et pour ne pas condamner, il ne faut pas avoir ce type de mentalité-là. Voilà.
Donc, tu ne condamnes pas les autres et ça te permet de savoir qu'en toute personne, il y a du bon. Donc, il y a un meilleur qu'on peut tirer, au fait. Et ça te donne aussi l'envie même de pouvoir annoncer l'évangile à cette personne-là parce que bah, tu te dis, s'il y a du bien en lui, bah, pourquoi est-ce qu'il a le droit d'aller en enfer avec tout ce qui est bon en lui, au fait? Il faut l'évangéliser pour qu'il soit sauvé. Ah ben, alors, ce n'est pas moi qui agis, c'est le péché. Oui, je crois que c'est la suite du verset. Oui. Ça, c'est tout. OK, donc là, on a vu pensée manichéenne. Qu'est-ce qu'on peut noter dessus encore? Notez aussi que bah, l'attitude d'une personne ne définit pas son identité. Voilà, toujours dans la pensée manichéenne. Donc, on ne définit pas l'identité d'une personne par rapport à son attitude. L'attitude peut être passagère, l'attitude est circonstancielle. Donc, ça peut être propre à une situation, à une circonstance. Mais son identité, c'est ce qui est intrinsèque en lui, au fait. Et tu peux avoir quelqu'un bah, qui a une bonne identité, c'est-à-dire bah, même qui est en crise, qui a des vertus en lui, mais dans une situation, il peut adopter la mauvaise attitude ou bien il peut avoir une mauvaise réaction. Donc, l'attitude d'une personne dans une circonstancielle, ça ne définit pas l'identité de la personne. Notez ça. Ah ouais. Ça ne vous gêne pas si on tire jusqu'à 12h30? Ça ne vous gêne pas. OK, good. Ça gêne certains. Si certains ils ont des obligations, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez vous déconnecter après. Vous allez voir la fin du coup dans le replay. Donc, si c'est bon pour le deuxième type de pensée, nous allons passer au troisième. Minimiser. Okay, bon. Minimiser les réussites et les choses qu'on a bien faites. Donc, troisième type de pensée, c'est minimiser les réussites et les choses qu'on a bien faites. Junior Makeledi travaille. OK. Minimiser les réussites et les choses qu'on a bien faites. Donc, ça, c'est un type de pensée à éradiquer aussi en nous. Donc, c'est simplement le fait de se dire que lorsqu'on réussit, on a une réussite en... On minimise cette réussite-là, on a tendance à beaucoup attribuer ça au hasard, au fait. C'est un manque de reconnaissance par rapport, un manque de reconnaissance déjà à nous-mêmes, par rapport à nos réussites, aux autres, par rapport à leur potentiel et leur réussite, et à Dieu aussi, par rapport aux grâces qu'il nous donne. Donc, quand tu minimises les réussites, ça peut se transformer facilement en manque de reconnaissance. Voilà. Manque de reconnaissance par rapport à nos réussites, aux réussites des autres et à Dieu qui nous fait la grâce de réussir. Notez ça. Et ça, souvent, ça reflète un peu un complexe. Voilà. En général, quand quelqu'un est complexé, bah, il a... La soit du mal à reconnaître la réussite des autres ou à reconnaître lui-même ses propres réussites. Voilà. S'il a du mal à reconnaître la réussite des autres, souvent ça peut être un complexe d'infériorité et de supériorité. Voilà. Donc, c'est très lié, vous pouvez noter ça, c'est que c'est très lié souvent à un complexe d'infériorité et de supériorité. Le fait de minimiser les réussites. Et quand on parle de complexe, bah, le point central ou l'élément principal qui est à la base de tout complexe, bah, c'est l'égoïsme et l'orgueil, au fait. Puisque dans le complexe, c'est toi la référence, tu fais la référence sur toi à chaque fois, c'est toi, tu identifies toutes les choses ou bien tu compares tout par rapport à toi. Donc, tu te mets au centre. Donc, quand tu te mets au centre, le complexé, c'est ça, au fait. Il se met au centre. Il est complexé par rapport, il a un complexe d'infériorité par rapport à l'autre parce qu'il se compare inférieur, il se voit inférieur au fait par rapport à l'autre. Supériorité, il se voit supérieur par rapport à l'autre. Donc, c'est toujours lui au fait, il se compare. Donc, ça reflète souvent de l'orgueil et de l'égoïsme au fait. Vous pouvez noter ça. Donc, ça aussi, c'est à éradiquer.
c'est à éradiquer. Voilà. On n'est pas obligé de se comparer aux autres dans la vie. On peut s'inspirer. Ce qui est mieux, c'est de s'inspirer des autres, mais pas se comparer parce que bah, chacun de nous, on a du potentiel, quoi. On a du potentiel, on a du talent et on peut faire valoir cela dans le bon environnement. Qu'est-ce qu'il dit? C'est marrant. Ah, OK. Donc, si c'est bon pour ce troisième type de pensée, vous pouvez noter maintenant d'autres types de pensées à éradiquer. Il y a le pessimisme. Vous pouvez noter le pessimisme. Voilà. Tant que chrétien, on ne doit pas être pessimiste. Pessimiste, c'est le fait de voir toujours le côté négatif des choses. Voilà. Donc, on ne doit pas être pessimiste, on doit être optimiste. Il y a l'utopisme. L'utopisme, c'est un peu carrément l'autre côté du pessimisme, quoi. L'utopie, c'est le fait que de penser que tout est parfait, tout est sans défaut, quoi. Donc là, ça nous met hors de la réalité, l'utopisme. Donc, c'est le fait de penser que tout est parfait, sans défaut, tout est idéal. Comment on écrit? Quelqu'un peut aider Albert à écrire l'utopisme? Quelqu'un peut écrire le pessimisme, l'utopisme dans le chat? Donc, l'utopisme, c'est le fait d'être utopique, quoi. C'est l'utopie. L'utopisme, le fait d'adopter une utopie. Non, une utopie, c'est penser que tout est parfait, sans défaut, idéal dans le monde. Et ça, ce n'est pas la réalité. Voilà. C'est vrai que la réalité n'est pas forcément la vérité, mais l'utopisme ne te rapproche pas. C'est-à-dire, t'éloigne de la réalité, mais va aussi t'éloigner de la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que bah, tout n'est pas parfait. Voilà. Tout n'est pas parfait. Un autre type de pensée aussi, il y a l'oisiveté. L'oisiveté. O-I-S-I-V-E-T-E, accent aigu. L'oisiveté. Je ne sais pas si je prononce bien avec mon accent. L'oisiveté. Donc ça, c'est un état de pensée qui va nous pousser à la paresse, à la fainéantise. Donc, notez, l'oisiveté, c'est un état de pensée qui nous pousse à ne rien faire. Voilà. À la paresse, à la fainéantise et à l'inactivité. Donc, tous ces types de pensées, ces types de mentalités, ces mentalités-là, voilà, sont des types de mentalités qu'il faut éradiquer. Et en tant que chrétien, le truc, c'est que bah, ces genres de mentalité ou bien ces façons de penser-là peuvent arriver subtilement, en fait. Donc, souvent, tu te rends compte bah, que tu es en train de réfléchir, de penser comme ça ou bien que tu as adopté cette manière de penser, cette attitude, au fait. Parce que ça peut... Les pensées, ça vient subtilement. Et en tant que chrétien, c'est à nous de faire attention, de faire des bilans régulièrement. Il faut faire noter ça. Vous devez faire régulièrement les bilans de vos pensées. Voilà. Régulièrement, vous devez vous analyser, faire une introspection, c'est-à-dire entrer en vous-même et puis faire un bilan de pensée et identifier par rapport à ce type de pensée si c'est vraiment aligné avec Dieu ou si ce n'est pas aligné avec Dieu. Voilà. Parce que naturellement, bah, l'homme a tendance à produire des pensées qui ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu, au fait que tu sois chrétien ou pas chrétien. Voilà. C'est la nature de l'homme. Et ça, je crois, c'est Ésaïe qui disait dans Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Vous pouvez noter ça aussi, Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Bah, » ça veut dire que de base, l'être humain n'a pas les pensées de Dieu, en fait. Voilà. N'a pas forcément les pensées de Dieu. Donc, que tu sois chrétien ou pas, bah, tu dois à chaque fois faire une analyse de pensée, au fait. Et puis évaluer tes pensées, évaluer tes habitudes de pensée. Le verset, c'est Ésaïe 55, verset 8.
Ésaïe 55, verset 8. Voilà. Donc, évaluer ses pensées, parce que de base, les pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Et lorsqu'on évalue les pensées, bah, il faut les soumettre. Je crois que j'avais donné déjà un passage où on dit « Soumettez vos pensées à Christ ». Voilà. Notez aussi Romains 12, verset 2. Voilà, là, ça parle du renouvellement de l'intelligence. Donc, l'intelligence est aussi... notre intelligence est liée à nos pensées et nos pensées vont construire notre intelligence. Donc, Romains 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, donc à notre ère, à notre monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc là, on parle de transformation par le renouvellement de l'intelligence. Donc, le fait de renouveler ses pensées, de reconditionner ses pensées, ça va renouveler notre intelligence et ça va être une source de transformation. Voilà. Donc, on est transformé par le renouvellement de ses pensées, de son intelligence. Il y a du bruit là, il y a quelqu'un qui tape, je ne sais pas c'est qui. Qui fait des mini-bruits, là. Notez aussi 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. Il dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. » Ça, c'est un bon verset, ça. « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée du Christ. » 1 Corinthiens 2, verset 16. Ça veut dire que puisque nous avons Christ en nous, bah de base, nous avons potentiellement la pensée de Christ en nous, au fait. Voilà. Donc, puisque Christ vit en nous, bah nous avons la pensée de Christ en nous. Donc, dans toutes nos pensées, là, à chaque fois, quand tu fais un bilan de tes pensées, il faut chercher dans tes pensées quelle est la pensée du Christ. Ça veut dire qu'au milieu de toutes les pensées que tu peux avoir, il y a une pensée, c'est la pensée du Christ. Tu ne peux pas avoir seulement que de mauvaises pensées. Si tu as Christ en toi, tu ne peux pas avoir seulement que de mauvaises pensées, mais que de pensées qui ne sont pas de Dieu. Au fait, il y a forcément la pensée de Christ en toi. Peut-être tu ne l'écoutes pas, peut-être tu n'as pas l'habitude de l'écouter, mais peut-être tu l'étouffes. Mais il y a forcément la pensée de Christ. Donc, c'est à toi de l'identifier en fonction de la parole de Dieu. C'est pour ça... Lis la parole de Dieu, étudie la parole de Dieu. C'est important parce que ça te permet d'activer les pensées de Christ qui sont en toi, au fait. Ou de nourrir la pensée de Christ qui est en toi. Donc, j'espère que vous avez noté ça, si c'est bon. C'est bon, on continue. Notez que nos pensées sont un champ de bataille pour le diable. Voilà, ça c'est très important et crucial de savoir. Nos pensées sont un champ de bataille pour l'ennemi, le diable. Donc nos pensées sont un champ de bataille pour le diable. Pourquoi? Parce que le diable sait que bah, s'il a nos pensées, il nous a au fait. Parce que la pensée... C'est ce qui définit l'être humain, c'est ce qui va conditionner pour nous pousser à poser des actions, en fait. Et prenez Éphésiens 6, verset 16. Si quelqu'un peut lire Éphésiens 6, verset 16, quelqu'un qui n'a pas encore parlé, Gray, je crois que Gray n'a pas encore parlé. Est-ce que Gray est là? Oui, je suis là. Paul, Gray, tu peux lire Éphésiens 6, verset 16. Oui, attendez. Faites en tout temps par l'esprit. Oh non, attendez. Non, c'est bon. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Amen. Ok, merci Gré. Donc là, on parle de bah, le bouclier de la foi pour faire quoi? Pour éteindre tous les traits. Bon, dans notre version, c'est flèche. Voilà, flèche, traits.
En tout cas, c'est des âmes quoi, enflammées qui viennent vers nous. Et nos pensées, le diable peut nous envoyer des flèches enflammées aussi par nos pensées. Donc, les flèches enflammées ou les traits enflammés, c'est peut-être aussi lorsque nous sommes bombardés par de mauvaises pensées. Voilà. Et souvent, c'est lorsque nous sommes dans des situations, pas forcément de bonnes situations, mais des situations délicates. Le diable sait qu'on est dans une position, on est vulnérable. Donc, il va commencer à nous bombarder de mauvaises pensées, en fait. Et ça, ce sont les traits enflammés. Et ça, la Bible dit quoi? Il faut mettre le bouclier de la foi. Donc, c'est ta foi qui te permet de résister aux mauvaises pensées parce que les pensées, le diable va t'attaquer par les pensées. Mais la foi, comment tu vas développer la foi? La foi aussi, tu la développes par la parole de Dieu, mais parce que aussi tu as la pensée de Christ en toi. Donc, notez ça, Ephésiens 6, 16. Et nos pensées sont un champ de bataille pour l'ennemi. Donc, le diable va nous attaquer par nos pensées. Et si nous avons continuellement des mauvaises pensées, ou bien si nous succombons à nos mauvaises pensées, on devient captif au fait de l'ennemi. Notez ça aussi. Bon, ça, vous le savez, c'est évident, mais vous pouvez noter aussi. Donc, succomber à ces mauvaises pensées nous rend captifs et esclaves du diable. Voilà. Donc, lorsqu'on a des mauvaises pensées, Ephésiens 6, verset 16 parle de bouclier de la foi. Jacques 4, verset 17 nous dit de résister au diable et il fuira loin de vous. Donc, résister au diable, résister aussi aux mauvaises pensées. Vous pouvez noter Jean 4, verset 17 qui dit résister au diable et il fuira loin de vous. Et résister au diable, c'est résister aux mauvaises pensées. Et il y a une technique aussi qui permet de résister aux mauvaises pensées, c'est la déclaration. C'est de chasser avec la parole, au fait. Parce qu'en vrai, Dieu lit dans nos pensées, au fait. Dieu connaît nos pensées. Voilà. C'est pratiquement le seul être, c'est-à-dire qui connaît nos pensées, au fait, qui peut lire les pensées, au fait. Les anges ne peuvent pas lire nos pensées. Les démons ne peuvent pas lire nos pensées. Le diable lui-même n'a pas la capacité de lire nos pensées. Mais comment, souvent, il peut anticiper ou bien il peut savoir quand il nous envoie des pensées négatives, comment il peut savoir que la pensée a eu effet, au fait, en nous? Parce qu'il ne lit pas nos pensées, il nous envoie. Mais comment est-ce qu'il sait, au fait? Il sait simplement parce que quand tu as accepté une pensée, naturellement, tu vas adopter une attitude, au fait. Tu vois? Quand tu as accepté une pensée, tu vas adopter une attitude parce que ton attitude va dépendre de l'état de tes pensées. Donc, ce n'est pas nos attitudes au fait que le diable sait « Ah ouais, lui, je l'ai atteint. Je sais que bientôt, il va succomber. Il va faire ce que j'ai programmé dans les pensées et je lui ai envoyé. » Donc, quand c'est comme ça, quand tu as les mauvaises pensées, il faut aussi déclarer, confesser, les chasser. Et quand tu le déclares, le diable, il entend ta voix. Il ne lit pas tes pensées, mais il entend ce que tu dis au fait. Et quand il entend ta voix, il sait que, là, tu es prêt à ne pas accepter ses pensées, au fait. Il sait que là, tu es en mode, en position de défense et de contre-attaque. OK. Il y a aussi 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8 qui dit « Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc le diable, il rôde au fait. Il rôde, il nous observe, il rôde. Bon, le diable, il ne peut pas se multiplier, il n'a pas cette capacité-là de se multiplier comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être en tout le monde et partout en même temps. Le diable n'a pas cette capacité-là. Donc, comment est-ce qu'il rôde autour de nous? Il rôde par ses démons, en fait. Voilà, il y aura des démons autour de nous qui vont rôder, qui vont nous observer. Et comme ils ne peuvent pas lire nos pensées, ils vont analyser nos attitudes, notre comportement. Bon, il y a les démons autour de nous, il y a aussi les anges. Il y a plus d'anges autour de nous. Quand tu es chrétien, il y a plus d'anges qui t'observent que des démons. Donc, n'ayez pas peur quand je dis des démons qui
qui rôdent. Il y a plus d'anges surtout. Puisque les anges sont plus nombreux que les démons. Donc, n'ayez pas peur. Donc, le diable rôde autour de nous et il observe, il cherche des failles, au fait. Et c'est par ces failles-là qu'il va nous atteindre, au fait. Donc, quand il va observer des failles dans nos attitudes, il va nous envoyer des pensées. Il envoie des pensées, puis il observe, il voit comment tu réagis. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut se défendre, il faut confesser, il faut déclarer. Quand tu régulièrement, une fois, tu peux avoir une pensée. Deux fois, quand tu sens qu'il y a des pensées dont tu n'avais jamais pensé, mais qui te viennent subitement, régulièrement, bah, faut prier pour ça, au fait. Voilà. Priez pour ça. Donc, notez aussi que les mauvaises pensées sont comme des oiseaux qui volent au-dessus de notre tête. Notez ça. Les mauvaises pensées sont comme des oiseaux qui volent au-dessus de notre tête. Donc, les mauvaises pensées sont comme des oiseaux qui volent au-dessus de notre tête. Nous ne pouvons pas les empêcher de voler. Donc, tu ne peux pas empêcher les mauvaises pensées de voler au-dessus de ta tête. Nous ne pouvons pas les empêcher de voler. Mais ce qu'on peut faire, nous pouvons les empêcher de se poser sur notre tête et de faire leur nid. Voilà. Donc, ça, c'est une image pour un peu symboliser un peu comment les pensées fonctionnent. Voilà. Tu peux avoir des pensées qui vont voler au-dessus de ta tête. Tu ne peux pas les empêcher de voler, mais tu peux les empêcher de se poser et de faire leur nid. Donc, de faire leur siège, leur nid, de se développer, de se nourrir là, de s'entretenir. Alors, on peut les empêcher. Et ben, j'ai donné plusieurs versets qui nous montrent un peu comment les empêcher, quoi. Je donne aussi des explications, je crois. Donc, voilà. Notez aussi que les mauvaises mentalités peuvent nous maintenir dans la fragilité. Donc, les mauvaises mentalités peuvent nous maintenir dans la fragilité et nous, même nous faire traverser des déserts. Donc, les mauvaises mentalités peuvent nous maintenir dans la fragilité et nous faire traverser des déserts. Voilà. Donc, le désert, c'est... Quand on parle de désert dans le langage chrétien, langage biblique, désert, c'est un peu les périodes ou les situations pas forcément bonnes ou désirées dans lesquelles on passe et qui, voilà, qui sont... Ça peut être des épreuves, des difficultés, voilà. Et notre mauvaise mentalité peut nous pousser à vivre des déserts, au fait. Bon, la tentation, on va parler de ça tout de suite, voilà. On va parler de la tentation. Et lorsqu'on a des mauvaises mentalités, il faut se débarrasser de ces mauvaises mentalités, comme je l'ai dit depuis, Et le brisement, Dieu peut nous faire passer par des situations de brisement et de purification. Donc, des situations de brisement et de purification qui vont nous aider à nous désolidariser ou à détruire, au fait, nous débarrasser de ces mauvaises pensées. Donc, notez ça, que Dieu peut utiliser des situations de brisement et de purification. Donc, le brisement de Dieu devient là indispensable, noble, bénéfique pour nous transformer, pour faire de nous des meilleures personnes, quoi. Voilà. On n'est pas obligé, je répète, on n'est pas obligé de passer par le brisement. Mais souvent, c'est les mauvaises mentalités. Quand Dieu veut nous faire travailler, Dieu veut changer quelque chose en nous, il nous fait passer par les brisements. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est un outil, au fait, que Dieu peut utiliser pour pouvoir nous transformer, au fait. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui c'est? Juste avant ça, qu'est-ce qui peut maintenir les mauvaises pensées? Non, j'ai dit les mauvaises pensées peuvent nous maintenir dans la fragilité et nous faire passer dans des déserts, au fait. C'est ce que j'ai dit. Les mauvaises pensées, la mauvaise mentalité peut nous rendre fragiles en tant que chrétiens et nous faire passer par des déserts, par des situations difficiles. Parce que nos pensées vont impacter notre attitude, qui vont impacter nos actions, qui vont impacter nos habitudes et qui vont impacter nos décisions et voilà tout ce qu'on va faire, au fait.
Donc, quand c'est comme ça, Dieu, souvent, quand il sent qu'on est vraiment attaché à une situation, à une manière de penser, il peut nous mettre dans des situations qui nous poussent à nous débarrasser, en fait, de ces pensées-là. Voilà. Si tu es orgueilleux, Dieu peut te mettre dans des situations où tu apprends l'humilité. Donc, ça, c'est le brisement. Ça, c'est un bon exemple même du brisement, en fait. Voilà. Et si tu es déjà humble de base, bah, Dieu ne va pas te faire passer dans des situations où tu apprends l'humilité, puisque tu es déjà humble. Il ne va pas te mettre dans des déserts. Tu apprends l'humilité, voilà. Il va essayer. Il va avoir d'autres aspects de tes pensées bah, qui ont besoin d'être travaillés et te faire passer ces situations-là. Voilà. Donc, le brisement, c'est un peu ça. Maintenant, quelqu'un a posé une question, c'est la tentation aussi. Voilà. Et là, il y a une différence. Vous pouvez noter qu'il y a une différence entre le brisement et la tentation. Voilà. Vous pouvez noter même, il y a une différence entre le brisement entre l'épreuve, parce que le brisement, c'est des épreuves, tu vois. Donc, il y a une différence entre les épreuves de brisement et la tentation. Il y a une grosse différence. Parce que souvent, des gens, ils vont être dans des épreuves et puis ils vont dire c'est la tentation. Ou bien ils vont être dans la tentation et puis ils vont dire c'est les brisements, en fait, ou bien c'est des épreuves. Pourtant, il est dans la tentation. Voilà, souvent on a du mal à discerner, à distinguer au fait. Or, c'est simple à distinguer, il faut seulement savoir ou bien avoir le discernement pour savoir qui est à l'origine de la situation dans laquelle je suis au fait. Voilà, parce qu'une situation, tu peux être le responsable, tu peux être à l'origine, c'est toi-même au fait qui a fait que tu es dans cette situation-là. Ça peut être Dieu qui t'a poussé à vivre cette situation-là, ça peut être aussi le diable au fait. Voilà, il faut savoir, il faut faire la différence. La Bible dit que après le baptême de Jésus, il était transporté par l'Esprit Saint pour être emmené dans le désert. Et dans le désert, là-bas, il a fait un jeûne de, je crois, 40 jours. Et bon, certainement, il était enseigné, il a prié, il a appris des choses, au fait. Donc, c'est le Saint-Esprit même qui l'a transporté dans le désert. Ça, c'est une épreuve divine, au fait. Donc, ça, on peut qualifier ça comme un brisement, un temps où il avait besoin de passer être dans la présence de Dieu, d'être dans un désert, au fait. Donc, c'est Dieu qui était à l'origine de ça. Donc, ça peut être considéré comme une preuve. Tu vois? Mais quelque temps après, quand il va finir de jeûner, il y aura un autre acteur qui va rentrer. Et quoi? Le diable. Donc, le diable va venir, il va faire quoi? Il va tenter Jésus, il va même le transporter. Donc, le Saint-Esprit a la capacité de transporter Jésus. Mais le diable aussi, il a transporté Jésus, il l'a emmené sur les montagnes et il lui a fait regarder, il lui a dit, tu vois tout ça? Si tu te prosternes à moi, bah, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Et ça, ce n'est pas une épreuve, ça, c'est une tentation, en fait. Ça, c'est une tentation. Donc, il faut savoir faire la différence en fonction de qui a l'origine, au fait. Si c'est Dieu, c'est une épreuve de brisement. Si c'est le diable, c'est une tentation, en fait. C'est ça, la différence. Bon, le passage de Jésus, là, je crois, si vous lisez les évangiles, vous pouvez trouver ça. Voilà, Jésus dans le désert, vous pouvez lire l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est la différence. Maintenant, le truc, c'est que on peut vivre, Dieu peut nous mettre dans des épreuves, au fait. Dieu peut nous mettre dans des épreuves. Et dans l'épreuve, le diable va venir nous tenter. Voilà, un peu comme Jésus. Jésus, Dieu l'a mis dans l'épreuve, dans le désert, et c'est dans le désert que le diable est venu nous tenter. Donc, le diable ne va pas dire, ah ouais, comme ça, c'est une épreuve qui vient de Dieu, je ne vais pas venir te tenter. Non, au contraire, il va utiliser même l'épreuve pour venir te tenter, au fait. Tu vois, il va utiliser l'épreuve pour venir te tenter. Et si tu te soumets, ou bien si tu succombes à cette tentation-là, ce n'est plus une épreuve, maintenant tu es dans la tentation. C'est-à-dire que tu es maintenant, tous les problèmes qui vont venir maintenant, ce n'est plus l'épreuve de Dieu, maintenant ça va être les persécutions en fait. Et c'est là la différence entre les épreuves et les persécutions. Voilà. Tu peux être dans une épreuve si tu n'as pas la bonne attitude, tu ne prends pas les bonnes décisions, ça se transforme en persécution. Voilà. Et même dans les persécutions, si tu vraiment te tournes vers Dieu, Dieu peut transformer cette persécution-là en épreuve, au fait. Voilà, et te fait sortir avec te donner succès, te fait sortir de cette situation-là.
Donc, c'est un peu la subtilité. Faut être capable de comprendre ça, de faire la part des choses, quoi, de pouvoir discerner cela. OK. Du coup, si vous avez noté tout, est-ce qu'il y a des questions? Là, on a fini le cours sur la mentalité, le reconditionnement de la mentalité. Du coup, s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous avez tout compris. Hein. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y, pose. Pose ta question. Vous allez dire, il y aura deux cours. Du coup, là, on a fait les deux. Non, là, on a fait un, là. C'est pour ça que je vous ai demandé si on peut finir jusqu'à 30. OK. Voilà. On va finir il nous reste 20 minutes pour terminer l'autre. On va aller rapidement. C'est vrai que les devoirs, vu que ça dure une heure, ça nous laisse peu de temps pour... Surtout, ce coup-là, c'est un coup très long, en fait. Donc, souvent, c'est un peu compliqué. Ça fait un bon moment que je n'avais pas donné ce coup-là. Avant, j'essayais de commencer un peu plus tôt avec les étudiants. Genre, ils se connectent à 9h, ils font les devoirs jusqu'à 10h, et puis on fait les cours. Ça faisait un moment que je n'ai pas donné ce coup-là. Donc, c'est là, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que c'est le coup le plus long de la formation. OK, ceux qui ont des obligations, vous pouvez... Désolé, je vais laisser mon café. Donnez-moi un... Je disais que donnez-moi un instant, je vais essayer rapidement, donnez-moi une minute. J'arrive. Ok, du coup, c'est... Ok, merci Albert pour le message. Ok, donc on va voir rapidement lutter contre l'apitoiement et l'estime de soi. Lutter contre l'apitoiement et l'estime de soi. Donc, on va aller rapidement. Donc, on va voir la première partie, lutter contre l'apitoiement. Donc, c'est quoi l'apitoiement? C'est le fait de s'apitoyer, de se prendre pitié par soi-même. Oui, allô? Oui, là, on est bien au cours numéro 4. Là, on est au cours, ouais, le coup 4, ouais, c'est ça, le coup 4. Le coup 4 qui est lutter contre l'apitoiement et l'estime de soi. Donc, on va voir la première partie, lutter contre l'apitoiement. L'apitoiement, c'est le fait de se prendre en pitié ou de s'apitoyer sur soi-même. Donc, notez ça. C'est le fait de se prendre en pitié et de s'apitoyer sur soi-même. Et c'est un sentiment qui va naître de nos faiblesses et de nos difficultés. Donc, c'est lorsque nous sommes dans des moments de faiblesse, dans des difficultés, qu'on a tendance à s'apitoyer sur soi-même, au fait. Voilà. Et comment cela se manifeste? Ça se manifeste simplement par des plaintes, au fait. On se plaint. Quand tu vois quelqu'un, il se plaint souvent sur sa propre vie. Voilà, il s'apitoie sur son sort, au fait, c'est ça. Et en tant que chrétien, nous ne devons pas nous apitoyer sur nous-mêmes. Voilà, Dieu ne nous demande pas de nous apitoyer sur nous-mêmes. C'est un état d'émotion. En général, les personnes qui s'apitoient sur elles-mêmes sont des personnes très émotives, au fait. Donc, qui n'arrivent pas à faire un peu prendre la distance ou prendre du recul par rapport à la situation à laquelle elles vivent. Donc, c'est lié à l'émotivité. Donc, notez que le fait de s'apitoyer est lié à l'émotivité. Le titre, c'est lutter contre l'apitoiement sur soi. Voilà, ça, c'est la première partie. Après, on va voir vite l'estime de soi. Donc, notez que l'émotivité, c'est le caractère d'une personne émotive. Je ne sais pas si je vais vite. Je n'ai pas trop le choix aussi.
Sinon, on va rester là jusqu'à 13 heures. C'est pas bon. Moi-même, ça m'arrange pas. Donc, l'émotivité, c'est le caractère d'une personne émotive. L'émotivité, c'est le caractère d'une personne émotive. Je sais pas, c'est bon pour vous, non? Allô? Oui. Vous suivez, vous n'êtes pas perdu, non? Ça va? OK. Oui, c'est bon. Donc, l'émotivité, c'est le caractère d'une personne émotive qui a une disposition à se laisser affecter par des événements, surtout insignifiants. Donc, une personne qui a tendance à se laisser affecter très facilement par des événements qui sont très souvent insignifiants. Donc, c'est, la personne aura tendance à se remettre à ses émotions, quoi, va se laisser affecter, va accorder trop d'importance à des choses qui n'en valent pas la peine, quoi. Voilà. Donc, en général, les personnes émotives, on peut les appeler aussi des personnes sensibles. Donc, les synonymes d'émotivité, c'est la sensibilité ou l'hypersensibilité. Voilà. Et c'est dangereux d'être émotive, sensible, hypersensible. Pourquoi? Parce que tu te remets à tes émotions qui ne sont pas forcément la réalité, la vérité. Et les personnes émotives vont avoir tendance à s'effondrer devant leurs difficultés, au fait à s'apitoyer et s'effondrer devant leurs propres difficultés. Donc, la personne n'a souvent pas l'énergie pour pouvoir faire face à ces défis, aux difficultés qu'elle subit, quoi. Donc, c'est ça. À côté des personnes émotives, sensibles, il y a aussi les personnes insensibles. Donc, il y a l'insensibilité. Face à l'opposé de la sensibilité, il y a l'insensibilité. Et l'insensibilité, c'est l'attitude d'une personne qui donne l'impression de ne pas être atteinte par les situations courantes de la vie. Vous pouvez noter ça aussi. Donc, l'insensibilité, c'est l'attitude d'une personne qui donne l'impression de ne pas se laisser atteindre par les situations difficiles de la vie. J'ai bien précisé qu'il donne l'impression. Donc, souvent, quand on va dire lui, l'insensible, c'est parce que la personne donne l'impression. C'est bien, c'est important d'avoir ça en esprit que c'est l'impression que la personne donne. Et c'est comme si, au fait, la personne mettait une carapace autour d'elle, au fait. Voilà. L'insensibilité, c'est comme quelqu'un qui se met une carapace, qui s'endurcit au fait pour ne pas se laisser affecter par les choses. Voilà. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais après, ça peut devenir dangereux au fait. Voilà. Donc, être insensible peut être néfaste. Vous pouvez noter ça, ça peut être néfaste parce que ça peut nous empêcher d'avoir de l'empathie pour les autres. Donc, cela peut nous empêcher d'avoir de l'empathie pour les autres. Donc, on est même insensible à ce que les autres ressentent. Et ça, c'est dangereux, en fait. C'est dangereux parce que, si tu veux comprendre quelqu'un, faut comprendre aussi ce que la personne ressent, quoi. Alors, si tu veux aider quelqu'un, si tu veux même dans vos réseaux, pour pouvoir bien collaborer, il faut avoir de l'empathie, comprendre, te mettre à la place de la personne aussi. Alors, faut pas être insensible et puis... Quelqu'un traverse des moments difficiles, tu es responsable, tu viens dire « Ah non, il faut le faire », tu vois. Voilà, souvent, tu te mets à la place de la personne, tu lui donnes tu te mets, tu comprends, tu lui donnes des conseils, et puis après, voilà, vous pouvez évoluer dans votre collaboration, quoi. Voilà. Donc, être insensible, on peut être insensible à ses propres émotions, aux émotions des autres, et même ça peut nous rendre insensible aussi à Dieu. Notez aussi ça, que ça peut nous rendre insensible à Dieu. Ça peut nous rendre insensibles à Dieu. Voilà. Ça peut nous rendre insensibles à Dieu. Maintenant, quel état émotionnel ou équilibre émotionnel que nous devons avoir? Si on ne doit pas être très sensible, on ne doit pas être hypersensible, on ne doit pas être insensible aussi. Notez qu'en tant que chrétien, nous devons avoir une stabilité ou un équilibre émotionnel.
Donc, on doit être stable et équilibré émotionnellement. Et stable et équilibré émotionnellement face aux situations de la vie. Voilà. Non, on doit être, c'est une manière de dire être imperturbable. Imperturbable, stable et devant les difficultés de la vie. Ne pas s'apitoyer sur son sort. Et prenez le verset Matthieu 8, verset 24 à 26. Matthieu 8, verset 24 à 26. Matthieu 8, verset 24 à 26. Matthieu 8, verset 24 à 26, c'est un passage, je lis rapidement. « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait, les disciples s'étant approchés, le réveillaient, dit, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Donc ça, c'est une histoire de Jésus qui était dans la barque, pendant que, avec ses disciples, avec même les gens, les personnes, d'autres personnes dans la barque. Et il y a une tempête qui noyait la barque et tout le monde était un peu apeuré, au fait. Voilà, tout le monde était apeuré. Voilà, et les disciples ont réveillé dans la peur, ils ont réveillé Jésus qui dormait. Et lui, la barque se noie. Jésus, il dort. Donc, ils l'ont réveillé, lui ont demandé, « Mais Seigneur, on se noie, on meurt, toi, tu dors, au fait. Pourquoi tu dors ?» Il dit, « Mais pourquoi vous avez peur, gens de peu de foi ?» Donc là, ça montre un peu une situation, en fait, où Jésus est, une situation difficile une situation difficile, quoi. Et là, Jésus, il est dans le calme, il est tranquille. Il dormait même pratiquement. Et quand il va se réveiller, il va calmer la tempête, au fait. Donc, ça montre un peu l'équilibre, au fait, émotionnel, la stabilité émotionnelle dans laquelle Jésus était, au fait. Pendant que les autres étaient dans la peur, lui, il était tranquille, au fait. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait son identité. Voilà, il connaissait son identité. Et nous, en tant que chrétiens, on doit être conscient de notre identité pour pouvoir avoir une certaine stabilité et équilibre émotionnel. Alors, il savait qu'il avait la capacité de parler à la tempête et la tempête allait se calmer. Et nous devons aussi connaître, dans n'importe quelle situation, nous devons être conscients de notre identité. Et cela doit nous permettre de pouvoir faire face à la situation, en fait. Voilà, nous devons savoir qu'on a on a le pouvoir sur les circonstances, de parler aux circonstances pour qu'elles changent. Donc, le fait d'être conscient de son identité permet d'avoir un équilibre émotionnel. Notez ça aussi. Voilà. Le fait d'être conscient de son identité permet d'avoir un équilibre émotionnel, de ne pas s'apitoyer sur soi-même. Notez aussi Ésaïe 30, verset 15, qui dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Voilà, Jésus l'a démontré. Il était calme, confiant, il dormait même pratiquement. Bon, je ne vous demande pas de dormir dans les difficultés, hein, mais bon. Ah, c'était Jésus, parce que Jésus, encore, on l'a réveillé. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous réveille, ça va être difficile. Ne dormez pas, donc. Mais restez dans le calme et dans la confiance. Voilà. Donc, si tu es dans le calme et dans la confiance, tu ne t'apitoies pas sur toi-même, mais tu manifestes l'autorité que Dieu t'a donnée dans les situations, dans les circonstances. Voilà. Tu connais ton identité, tu sais qu'il y a Dieu aussi. Prenez des passages, vous allez lire après. Bon, on va aller rapidement sur l'autre cours parce que là, prenez Psaume 23, versets 4 à 6. Voilà. Donc, ça aussi, ça montre une clé pour pouvoir rester confiant dans les situations. Voilà. La clé, c'est d'avoir les regards fixés sur Jésus. Donc, avoir les regards fixés sur Jésus, sur Dieu, sur Jésus. Voilà. Donc, vous pouvez lire Psaume 23, versets 4 à 6, voilà, qui parle de « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Donc, David était conscient que Dieu était avec lui. Donc, être conscient de son identité, être conscient que Dieu est avec soi, être conscient, avoir les regards fixés sur Jésus, voilà. Être dans le calme et la confiance, ça permet de ne pas s'apitoyer sur soi-même et de surmonter les difficultés. Prenons aussi 1 Pierre 4, verset 12, où l'apôtre Paul dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Donc là, Pierre dit que c'est en tant que chrétien, c'est normal, au fait, ne soyez pas surpris. De toute façon, en général, on va s'apitoyer sur soi-même parce qu'on est surpris. Il va y avoir des situations dont on ne s'attend pas,
qui nous arrive comme ça. Et là, on commence à se plaindre parce qu'on ne s'était pas préparé, au fait. Et là, Pierre dit, en tant que chrétien, il ne faut pas qu'on soit surpris. Il faut qu'on anticipe qu'il y aura des difficultés, il y aura des persécutions, il y aura des épreuves. Voilà. Donc, vous pouvez noter ça aussi, hein, Pierre 4, verset 12. Est-ce qu'il y a un autre verset que je peux vous donner? Voilà. On va passer rapidement à l'estime de soi. Ça va, vous avez pu noter tout ce que j'ai dit? OK. Anaïs, comme tu bouges ta tête là, tu peux mettre dans le chat ce que tu as noté pour les autres, quoi, rapidement. Comme tu acquiesces. OK. Donc, l'estime de soi. L'estime de soi va se définir comme étant le jugement. Donc, notez, l'estime de soi va se définir comme étant le jugement ou l'évaluation faite par un individu en rapport avec ses propres valeurs. Donc, notez que l'estime de soi se définit comme étant le jugement ou l'évaluation faite par un individu en rapport avec ses propres valeurs. Donc, en français simple, ça signifie quoi? C'est que c'est la manière dont quelqu'un se juge ou bien quelqu'un se voit et ce qu'il croit que les autres pensent de lui. C'est ça l'estime de soi. Donc, ce que toi-même tu penses de toi et ce que tu penses que les autres pensent de toi, en fait. C'est ce qui va permettre de définir ton estime de soi. Voilà. Et comment se construit l'estime de soi? Bah, ça se construit dès notre enfance. Donc, l'estime de soi va se construire dès notre enfance, notez. C'est lié à notre éducation, l'éducation de notre famille, de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Va nous définir notre estime de soi, de notre entourage. Donc, de notre éducation, de notre entourage, de notre milieu social aussi. De ce qu'on a pu dire sur nous, de ce qu'on a entendu les autres dire sur nous. Donc, ouais, de notre entourage. Et en tant que chrétien, bah, souvent, bah, quand dans le monde, on a une mauvaise estime de soi-même parce que bah, on n'a pas forcément appris à développer une confiance en soi ou bien notre environnement ne nous a pas vraiment aidé notre estime de soi, notre confiance en soi. Bah, quand on devient chrétien, ce sont des choses qu'on peut facilement traîner, quoi. Voilà, on peut avoir du mal à avoir confiance en soi. Et il faut savoir qu'on est une nouvelle créature. Voilà. La Bible dit, vous pouvez noter 2 Corinthiens 5, verset 17, pour ceux qui ne savent pas. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Donc, ça veut dire, dans le monde, même si on n'a pas confiance en nous, mais on avait une mauvaise estime de soi, parce qu'on pensait qu'on n'avait pas de la valeur. Une fois qu'on devient chrétien, on doit être conscient qu'on a de la valeur. Parce que c'est quand tu es conscient que tu as de la valeur, tu as une bonne estime de soi-même, en fait. Voilà. On doit être conscient qu'on a de la valeur. Et nous allons voir des versets qui disent qu'on a de la valeur. Donc, prenez 1 Pierre 2, verset 9. Vous pouvez lire ça, ce passage-là. 1 Pierre 2, verset 9. Vous pouvez prendre Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Ésaïe 43, verset 4. Premier Pierre 1, verset 18 à 19. Donc, je répète, 1 Pierre 2, verset 9. Psaume 139, verset 14, Ésaïe 43, verset 4, et 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Donc, 1 Pierre 2, verset 9 nous dit quoi? Que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà, donc ça définit notre identité en Christ.
Une race élue, ça veut dire qu'on a été choisi, donc on a été sélectionné. Voilà. Tu fais partie des élus, de ceux qui ont été sélectionnés, parce que quand tu acceptes Christ, c'est vrai, c'est toi qui acceptes, mais Jésus t'a sélectionné avant. Bon, ça n'est pas dit qu'il n'a pas sélectionné, il y a des personnes qui n'ont pas sélectionné, non. Le fait simplement de se donner à la croix, c'est comme s'il faisait, c'est-à-dire il sélectionnait tout le monde pour être élu au fait. Maintenant, quand tu acceptes, tu rentres dans l'élection de Christ. Donc, nous sommes des élus. Et aussi, nous sommes un sacerdoce royal. Ça contient deux mots, sacerdoce et royal. Sacerdoce, ça veut dire que nous avons la fonction de... Quand quelqu'un dit le sacerdoce, on parle de la fonction de prêtre dans l'Ancien Testament. Donc, nous tous, que nous soyons pasteurs ou bien anciens, quel que soit ce qu'on est en tant que chrétien, quel que soit notre niveau de spiritualité, de service, nous avons un sacerdoce, nous avons un ministère qui est rattaché à notre identité, à notre personne. C'est ça le sacerdoce. Et royal, ça signifie que nous sommes des rois. Donc, nous avons des manteaux, un manteau royal au fait. Pourquoi? C'est normal, parce qu'on est dans un royaume. Et le royaume des cieux, c'est le seul royaume où tous les citoyens sont rois au fait. Et Jésus, il est quoi? Il est le roi des rois. Donc, quand on dit il est le roi des rois, on ne parle pas des rois de la terre, au fait. Ce n'est pas ça. Quand on dit Dieu est le roi des rois, on ne parle pas des rois de la terre, on parle de vous, de nous. Parce que nous sommes des rois, au fait. Nous sommes des rois et lui, il est le roi des rois. Donc, c'est ça. Et nation sainte, ça signifie qu'on est saint. Pourquoi? Parce que la nature qui est en nous fait de nous des personnes saintes. On n'est pas saint par nos actions, on est saint par notre nature. Et c'est notre nature qui nous pousse à poser des actions. Voilà. Après, un peu plaqui, ça veut dire que on a été payé, on a été quand tu as acquis quelque chose, c'est parce que tu l'as acquis à un prix, donc on a été payé. Je crois qu'il y a un verset, parmi les versets que j'ai cités, il y a un verset qui parle du prix par lequel nous avons été payé, le prix du sang de Jésus. Donc tous ces versets là nous montrent que nous avons du prix, de la valeur devant Dieu au fait. Donc ça doit permettre de nous identifier, de nous-mêmes nous donner de la valeur au fait, pour pouvoir avoir une bonne estime de soi-même. Voilà. C'est simple. Oh, mon téléphone commence à être déchargé pour ça. J'espère que vous me voyez bien. OK. Bon, là, ça va être compliqué. OK, bon, je vais maintenir comme ça. Donc, en gros, c'est ça. Ça veut dire que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, nous devons avoir une bonne estime de soi-même. Maintenant, nous allons voir comment reconnaître qu'une personne a une faible estime de soi-même. Vous pouvez noter ça. Comment reconnaître pour pouvoir évaluer, savoir si on a une bonne estime de soi ou bien savoir si quelqu'un n'a pas une bonne estime de soi. Comment reconnaître qu'une personne a une faible estime de soi? D'abord, il y a l'autocritique continuelle. Donc, c'est l'apitoiement. On a parlé de ça. Donc, s'apitoyer sur son sort, dire des paroles négatives sur soi-même. Donc, l'autocritique continuelle. L'indécision. Donc, la personne ne sait pas prendre de décision parce qu'elle a peur de se tromper. Elle n'a pas confiance en elle-même pour prendre de bonnes décisions. Donc, l'indécision. Donc, j'ai dit l'autocritique continuelle, l'indécision. Ensuite, le perfectionnisme poussé. Voilà, donc la personne veut faire tout parfait parce que si ce n'est pas parfait, elle va se sentir mal, quoi. Donc, elle aime que tout soit carré. Le perfectionnisme, c'est bon de faire des choses excellentes, correctes, mais quand tu veux faire tout parfait, c'est qu'il y a un problème au fait. Tu as peur de ne pas faire des choses, c'est que tu n'as pas trop confiance au fait. Parce que tout ne peut pas être parfait. Tu peux faire des choses excellentes, mais ce n'est pas parfait. Voilà, parce qu'on n'est pas des êtres parfaits. Donc, le perfectionnisme poussé, l'hypersensibilité aux critiques. Il y a deux types de critiques. Il y a les critiques constructives et les critiques destructives. Donc, il y a des gens qui vont te critiquer pour te détruire. Ça, je ne parle pas de ça, mais je parle des critiques constructives, des gens qui te donnent des critiques pour t'améliorer. Et lorsqu'on est hypersensible à ce genre de critiques-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut accepter les critiques, les bons retours des personnes que tu sais qu'elles veulent ton bien, quoi. Et les critiques qui édifient. Il faut être capable d'accepter ça. Donc, je reprends, j'ai donné
l'autocritique continuelle, l'indécision, le perfectionnisme et l'hypersensibilité aux critiques. Donc ça, c'est un peu des moyens pour reconnaître qu'une personne n'a pas une bonne estime d'elle-même. Et on va voir on va voir des personnages de la Bible qui avaient une faible estime de soi-même, d'elle-même, et puis les conséquences, quoi, ce que ça a pu entraîner. On va voir deux, hein. Il y en a beaucoup, mais on va voir deux simplement. Bah, le premier personnage, c'est Moïse. Donc, vous pouvez prendre Exode 3, versets 11 à 12. Moïse, Exode 3, versets 11 à 12. Exode 4, verset 1. Et Exode 4, versets 11 à 13. Donc, vous pouvez lire tout Exode 3 et Exode 4. Hein. Voilà. Comprendre un peu l'histoire. Donc, bah, ça, c'est l'histoire, c'est-à-dire Moïse qui naît pratiquement, bon, qui grandit en Égypte en tant que fils de la princesse, de la fille de Pharaon, et après qui se retrouve dans le désert. Parce que, bon, les circonstances, quand vous avez l'histoire, vous allez comprendre, il se retrouve dans le désert. Et c'est un peu comme il perd son statut de prince, au fait. Donc, de prince, il se retrouve à berger dans le désert. Et là, c'est comme si tu es en haut et puis tu descends, quoi. Quand tu es en haut et puis tu descends au niveau de l'estime, quoi, ça prend un coup. Et là, Dieu vient dans le désert et puis lui confie, au fait, une mission, la mission de libérer le peuple d'Israël. Sauf que Moïse a perdu confiance en lui-même. Et sa réaction, c'est quoi? C'est que il va donner tous les types d'arguments pour pouvoir refuser cette mission-là. Il va dire au Seigneur, « Non, moi, je ne sais pas parler. Est-ce que vraiment, Dieu, si c'est toi-même, montre-moi, prouve-moi que c'est toi. Je ne sais pas parler, je bègue. » En tout cas, il va donner toutes les raisons et ça va faire que ça aura peut-être à tendance, Dieu sera obligé de lui prouver à plusieurs reprises, ça aura tendance un peu à ralentir le début, à retarder au fait le début de sa mission. Et Jésus, Dieu même sera obligé de prendre son frère Aaron pour le mettre à côté de lui. Voilà. Il sera obligé de prendre quelqu'un pour le mettre à côté de lui, pour l'épauler. Donc, c'est un peu un exemple, quoi. C'est vrai que ce n'est pas un exemple parfait, mais c'est un exemple de... Voilà, quand tu n'as pas une bonne estime de toi-même, tu risques de ne pas faire confiance à Dieu, parce que Dieu te fait confiance. La confiance en Dieu, c'est que Dieu aussi te fait confiance pour faire ces choses, au fait. Mais si toi, tu n'as pas confiance en toi-même et Dieu te fait confiance, si Dieu te demande de faire quelque chose, tu vas discuter ou bien tu ne vas pas te lancer. C'est ça le problème. Notez aussi Gédéon. Gédéon, c'est Juges 6, versets 14 à 18. Gédéon aussi va faire pareil comme Moïse, il va même demander des troisons à Dieu, tout ça. Pourquoi? Parce que Gédéon, il venait d'une petite famille en Israël. Déjà, je crois qu'il était de la tribu de Benjamin, je crois. Hein. Et la tribu de Benjamin en Israël, c'est l'une des plus petites tribus d'Israël, au fait. En général, les tribus qui sont considérées, ce sont les tribus des Lévites, où sortaient les sacrificateurs. La tribu de Juda où sortaient les rois, donc lui venait de la tribu de Benjamin, et Dieu va lui demander de libérer Israël. C'est-à-dire, Israël, à l'époque de Gédéon, je crois, Israël était... ce qui dominait Israël, au fait, c'était des pratiques occultes, donc c'était plus l'Éternel qui dirigeait Israël, mais le peuple était esclave, au fait, de, je crois, les prêtres de Baal, de plusieurs choses, au fait, comme ça. Et Dieu va demander à Gédéon de pouvoir délivrer le peuple d'Israël, même au niveau de l'armée. Je crois, au fait, ils étaient aussi esclaves d'une armée étrangère. Et Dieu va lui demander de délivrer, au fait, le peuple d'Israël. Et Gédéon va dire, mais moi qui suis petit, qui viens de la plus petite famille, de la plus petite tribu, comment est-ce que je peux le faire? Voilà, donc, Gédéon n'avait pas une bonne estime de soi parce que définissait sa valeur par rapport à sa condition sociale. Et souvent, Dieu peut vous appeler, par exemple, à un ministère. Tu vas dire, ah, mais Seigneur, je n'ai pas fait de longues études, je ne sais même pas travailler, je suis jeune. Voilà, vous pouvez donner beaucoup d'arguments, mais ce n'est pas ce que Dieu regarde, au fait. Voilà, Dieu ne regarde pas ça, il regarde ce qu'il a mis en vous. Donc, ça, ce sont des exemples, de personnes qui n'avaient pas une bonne estime d'eux-mêmes dès le départ, qui ont discuté avec Dieu pour se lancer dans la mission que Dieu leur a confiée. Mais bon, finalement, ça s'est bien passé pour eux. Ce sont des modèles de foi actuellement. Donc, même si tu n'as pas une bonne estime de toi-même, tu peux faire ce que Dieu te demande de faire.
Voilà. C'est bon. Est-ce que j'ai donné des techniques pour développer une bonne estime de soi-même? Est-ce que j'ai parlé de ça? Non. J'ai pas parlé. Ah, j'ai pas parlé. J'ai parlé de voilà, être, connaître son identité. Non, j'ai donné des versets qui parlent de. Je crois que j'avais cité des versets qui parlaient de connaître sa valeur. Voilà, ça, c'est un moyen de. Si tu connais ta valeur, ce que Dieu pense de toi, bah, ça te permet d'avoir une bonne identité, d'avoir une bonne estime plutôt de soi-même, pas une bonne estime de soi-même. Il y a aussi se focaliser sur la parole de Dieu. Voilà, se focaliser sur la parole de Dieu permet de développer une bonne estime de soi-même. Se focaliser sur la parole de Dieu. Donc, voilà, connaître les passages qui parlent de notre identité, de ce que nous sommes. Donc, c'est les passages que j'ai cités. Je crois, vous pouvez prendre aussi Galates 2, verset 20. Voilà, je ne sais pas si j'ai cité ça. Galates 2, verset 20. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Maintenant, ma vie humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui a donné sa vie pour moi. Donc, là, l'apôtre Paul s'identifie à Christ. Il dit, s'il vivait, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il était conscient de son identité. Il savait que, puisque Christ vit en lui, c'était plus lui-même qui vivait. Donc, ça lui permet de redéfinir la valeur qu'il a de lui-même aussi. Donc, se focaliser sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit de nous. Éviter les comparaisons. Voilà. Éviter de faire les comparaisons. Ça aussi, c'est une technique pour avoir une bonne estime de soi-même. Parce que Dieu nous a créés de manière unique. Nous a créés différemment. On n'est pas obligé de se comparer aux autres parce que bah, chacun a ses qualités, ses onctions, son onction, son appel. Donc, ça permet d'avoir une bonne estime de soi-même. On peut s'inspirer des autres, mais on ne doit pas se comparer aux autres. Notez aussi, toujours rebondir après un revers. Donc, toujours rebondir après un revers. Toujours rebondir après un revers. Toujours rebondir après un revers. Donc, ne pas être dans la fatalité, ne pas dire « Ah oui, c'est fini, c'est cuit pour moi, non. » La Bible dit « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, tu as toujours une seconde chance. Ah, c'est Romains 8, 1 qui le dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, ne pas être dans la fatalité, mais toujours rebondir après un revers. Bon, revers, c'est échec, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Après un échec. Notez aussi, arrêter de vivre dans les regrets du passé. Voilà. Arrêter de vivre dans les regrets du passé. Je crois le coup 2 qui parlait de ça, le coup que vous avez fait avec Sabrina, je crois qu'on parlait de ne pas se focaliser sur le passé. Donc, un peu ça. Ne pas vivre dans les regrets du passé ou les échecs du passé. Bah, sinon, on va rester dans une satisfaction perpétuelle, quoi. Et tu vis, tu es toujours en arrière, tu regrettes ce que tu as fait. Bah, à quel moment tu vas profiter du présent et tu vas réaliser ton futur. Voilà. Et si tu te focalises sur les échecs seulement, bah, c'est sûr que tu ne vas pas avoir une bonne estime de soi-même, au fait, de toi-même. Voilà. Donc, ne pas vivre dans les regrets. Agis et fais ce que Dieu nous appelle à faire. Voilà. Donc, poser des actions, fais ce que Dieu t'appelle à faire. Ça permet aussi de développer une bonne estime de toi-même. Donc, agir et faire ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, ça déjà, c'est bon, c'est suffisant. Voilà, ça, c'est des clés pour pouvoir développer une bonne estime de soi-même. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire encore? Vous pouvez prendre Ésaïe 54, vous pouvez lire tout le chapitre. Voilà. Bon, c'est un chapitre assez imagé, assez symbolique, quoi. Voilà.
Il parle de réjouis-toi, fais des allégresses. Il agit ta tante, qui parle de la Nouvelle Jérusalem. Et ça, ça montre un peu, c'est une image, au fait, quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, je crois que c'est Isaïe qui parle de, dit la Nouvelle Jérusalem, et ça montre un état très lamentable dans lequel la Nouvelle Jérusalem était. Et plus tard, il va te dire, réjouis-toi, il agit tes tentes, quand les filles de la délaissée seront plus nombreuses que celles de la mariée, tu n'as plus de douleur. Donc, c'est un peu une image, si ton passé, par exemple, t'a permis, t'a poussé à avoir une mauvaise estime de toi-même parce que tu as vécu des difficultés, ce passage a nous dit, en fait, Dieu te prépare des meilleures choses dans le futur, en fait. Donc, réjouis-toi. Et plus tard même, tu seras un modèle de témoignage, en fait. Tu vas aider ceux qui sont dans la même condition dans laquelle tu as été dans le passé. Donc, vous pouvez noter ça. Ok. Je ne sais pas si j'ai d'autres passages. Bon, je pense que c'est bon. Ouais. Je pense que c'est bon. Ok, c'est bon. Je pense que j'ai plus dit l'essentiel de ce que je pouvais dire. Est-ce que vous avez des questions? Ah, il est carré, quelqu'un. Est-ce que vous avez des questions? Moi, non. Oui, je t'écoute. J'ai dit que je n'avais pas de questions. Ah, tu n'as pas de questions, ok. Les autres, vous n'avez pas de questions. Ok, si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que vous avez tout compris. Et si vous avez tout compris, ça veut dire que, quelles que soient les questions qui seront posées à l'examen, vous allez tout répondre. Donc, vous tous, vous aurez les 20, 20. Donc, bravo à vous, félicitations pour vos 20. Ok, vous n'avez pas de questions, on va prier rapidement. On va prier pour ces cours que nous avons faits, puis on va se séparer. Elle est déjà 45 là. Ma voix est déjà rouillée. Ok, on va prier. Est-ce que quelqu'un a un sujet en particulier par rapport au cours qu'on a donné? Est-ce que vous avez un sujet particulier par rapport à ça? Quelqu'un veut qu'on prie pour lui? En fait, si vous ne voulez pas donner vos sujets, vous pouvez nous contacter inbox, contacter vos profs pour qu'on prie avec vous. Si vous avez des sujets particuliers, dans vos responsables de réseau aussi. Ouais. Ok, donc on va prier, on va remercier Dieu pour ses enseignements, pour ce moment que nous avons passé, et prier pour notre estime de nous-mêmes. Prions aussi pour notre mentalité, pour que le Seigneur nous donne un esprit fort, pour que nous puissions développer une bonne mentalité et développer une bonne estime de soi-même. Nous allons prier. Kom baraba shekerebo sakayaraba sekerebo lo shakayarabasa. Le bakantoro bosho. Activez vos micros, je veux vous entendre. Je ne veux pas prier, mon Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Ta parole, Seigneur, est vive. Ta parole, Seigneur, est puissante. Ta parole est inspirée, Seigneur, pour nous enseigner ce qu'il faut vivre, Seigneur. Nous éduquer dans la vérité. C'est pourquoi, Seigneur, je prie afin que tu réponds ces paroles que j'ai inspirées ce matin, Seigneur. Excellente pensée, Seigneur. Donne-nous des pensées correctes, pures, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est digne de gloire, tout ce qui mérite l'approbation, Seigneur, tout ce qui est vertueux soit l'objet de nos pensées, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, parce que à travers, Seigneur, ce reconditionnement, ce renouvellement de l'intelligence, Seigneur, tu fais de nous des personnes confiantes qui ont une bonne estime de nous-mêmes. Oui, Seigneur, entretiens, Seigneur mon Dieu, des pensées valorisantes, Seigneur, sur nous-mêmes et sur les autres, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu nous aides à prendre conscience de notre identité. Oui, Seigneur mon Dieu, notre valeur en toi, Seigneur, afin que nous soyons des vraies personnes, des personnes qui répondent à ton appel,
Ces personnes, oui, Seigneur, qui n'avons pas peur, Seigneur, d'enseigner ta parole, de prêcher ta parole, d'évangéliser, Seigneur. Merci parce que tu connais l'état d'âme de chacun, Seigneur, ici. Et tu le vis, Seigneur, mon Dieu. Tu visites chacun, Seigneur, mon Dieu. Et tu commences, Seigneur, ton opération commence dans le cœur dès cet instant, Seigneur, mon Dieu, moi. Afin que, oui, Seigneur, ces personnes-là, c'est, oui, ils aient une bonne estime d'elles-mêmes, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils soient des personnes meilleures, Seigneur, confiantes en elles-mêmes, confiantes en leur foi, confiantes en toi, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta révélation, Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur, la révélation de ta parole, Seigneur, afin que ce soient des chrétiens forts, des chrétiens stables, équilibrés émotionnellement, Seigneur mon Dieu. Ainsi, tu fais des personnes matures émotionnellement, Seigneur, et que toute circonstance, situation, Seigneur, dans laquelle le diable veut les mettre, pour les empêcher, Seigneur, à s'élever, Seigneur, à être des personnes, oui, matures, soit chassées, neutralisées dans leur vie, Seigneur. Merci parce que ta grâce, ta bonté, ta faveur les accompagne tous les jours de leur vie. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 OK, bah, passez une bonne journée, bon après-midi, et puis bon week-end aussi. Bon culte pour demain. Merci. Et à plus, au revoir. Au revoir. Bonjour à tous. Restez bien, révisez bien pour la semaine prochaine aussi. OK, salut. Salut.